On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Ce vendredi, avec vous jusqu'à 18h, l'inénarrable Christine Bravo. La délicieuse Isabelle Vautrin. Elle est belle. L'incontournable Guy Carlier. Bravo. L'insubmersible Olivier de Kersauzon. Le fou chantant Christophe Beaugrand. Bonjour. Et le seul et unique auteur et intellectuel de cette équipe, Yann Moix. Elle a quand même écrit des livres, Christine, le seul auteur elle quand a même. Elle a écrit des livres, mais il y a longtemps. Et même et Olivier aussi. Il y a longtemps, il y a deux non, ans. Non, Olivier, il touche l'argent comme moi, mais il écrit. Oh, mais il était en forme. Il en est où votre livre, Olivier, alors? Lequel? Non, il va sortir bientôt, c'est un Sang 2. Lequel? Celui qui est le même auditeur que toi? Oui, oui, oui. C'est un truc pour dans 5 ans, ça. Ah, c'est dans 5 ans, oui. Il nous faut du temps. Nous, on pèse nos mots quand non, on écrit. On respecte nos éditeurs, on ne veut pas les gaver d'un truc bâclé. Voilà. C'est construit, c'est dense. On va vraiment commencer à l'écrire quand on aura bien réfléchi. Il le sait, hein, il sait qu'il a la chance de nous avoir. Puis il faut qu'on vérifie que le chèque qu'on a touché, ce n'est pas de l'argent sale, tout ça. Nous, on ne veut pas. Vous avez déjà dépensé l'avance ou pas? Nous, oui. Ouais, ouais, enfin, c'est pas énorme. Hein. Ah, voilà. Vas-y, c'est combien? Elle veut savoir si elle s'est fait entuber pour son dernier bouquin, Christine. La réponse est oui. J'ai au téléphone notre ami Jonathan Giammi, puisque vous êtes un de nos auditeurs et nos auditeurs sont tous nos amis, Jonathan. Oui. Bonjour. Presque. Bonjour, Laurent. Et vous me demandez de prendre contact avec vous, c'est pas pour moi, je crois, mais c'est oui. Pour votre petite fille qui est née le 1er novembre dernier, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Comment s'appelle-t-elle, votre petite fille? Elle s'appelle Chloé. Chloé. Ah. Et Chloé est très triste, et vous le premier, car je crois que vous attendez... Pardon, c'est encore sur vous que ça tombe, Christine. Mais je ne l'ai pas fait. Ah, le body? Vous attendez le body que vous avez commandé oh, merde. Et payé le 18 octobre dernier. Alors, un pull en cachemire. Mais vous avez bien raison de me contacter, parce que je cherche effectivement les gens à elle qui fait que ça toute la journée. Arriver. On a même contacté 60 millions de consommateurs. Ouf. Ah, pour... les Turcs ont quitté la cave. Mais non. Mais non. C'est pour ça que les Kurdes se planquent. On a été hackés, je le redis, et j'attends effectivement d'être contacté par tous les gens à qui c'est arrivé. C'est arrivé sur une période d'octobre-novembre. Comme c'est un système bancaire très compliqué que... Il le dit, notre auditeur, je suis attristé par le fait de ne pas avoir eu ce très beau pull couleur mauve pour ma petite Chloé. Pouvez-vous refaire un geste afin que mon argent ne se soit pas envolé pour de bon? Merci, Christine. Eh bien, vous allez donner votre adresse à Laurette. Tenez. Et votre RIB, surtout. Et je vais vous en envoyer deux. Ah, pour c'est le bien. Prix d'un. Bravo, Christine, c'est magnifique. Voilà. Quel beau geste. Deux alpagas. Mais ça sort l'escroquerie, ça, les deux. En fait, à condition que vous en achetiez quatre. Mais attends, non, mais on sait combien il y a de gens qui se sont fait flouer, là, qui se sont fait piquer leur thune. Il y en a, mais on commence à les rattraper, comme ça, grâce à vous, grâce à Twitter. Et je grâce peux à vous moi. Donner ma, ouais, et tu sais ce que c'est ta vraie qualité, Christine? Non, c'est pas du cachemire, c'est ta vraie qualité, c'est la somme de tous tes défauts, en fait. J'ai rien compris. Vous croyez Christine, j'espère, Stéphane? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben vous le verrez. Ah ben vous avez tort. Mais non, allô. Non, là, elle est tout sauf malhonnête, Christine. Non, voilà, on lance un appel. Elle est vraiment tout, par contre. Fabien est au téléphone maintenant. Bonjour, Fabien. Bonjour, allô, vous m'entendez? Oui, ah, je vous dérange. Vous avez l'air en grande forme, Fabien. Retourne te pieuter, va. On te rappelle une heure. Ah bah c'est encore sur Christine, dis donc, c'est pas de chance. Hein. Oui, tu l'as pas fait exprès. Ah non, c'est Claude Sarraute qui a sélectionné les mecs. Christine Bravo nous avait informé qu'elle allait passer le réveillon avec l'association Les Petites Sœurs des Pauvres. Or, quand elle est revenue dans l'émission début janvier, elle a dit avoir passé le réveillon avec son compagnon. Son compagnon fait-il donc partie des Petites Sœurs des Pauvres? Ah non, c'est le grand frère d'un riche. C'est quand même incroyable comme c'est déformé. J'ai passé le 24, donc après-midi, je n'ai jamais parlé de réveillon du jour de l'an. Le 24 après-midi, non pas avec les Petites Sœurs des Pauvres, mais avec les Petits Frères
faire des pauvres. Elle préfère les mecs. Bah pour draguer, c'est mieux. Oui. Et je suis allée effectivement passer l'après-midi avec une vieille dame du 3e arrondissement. Je lui ai apporté le colis, j'ai acheté des chocolats. J'ai piqué son sac. Il a acheté par et la c'était fenêtre. Une sorte de Claude Sarraute, une vieille dame indigne. Et j'ai passé une après-midi exceptionnelle. C'est vrai. Et le 31. Pas elle. Effectivement. T'aurais dû le passer avec les restos d'accord. Comment elle s'appelait, cette dame? Je me souviens pas. Je me souviens de son prénom. Elle est en 15 minutes. Elle n'existe pas. Marcel. Bah oui. Elle est décédée depuis. Allez, honnêtement, dites-nous la vérité, vous n'êtes jamais allé. Non. Je vous donne ma parole que si. Non. C'est bon, allez, jamais allez. Écoutez, nous faisons un appel aux petits frères des pauvres. Et vous allez bien voir. Et à Marcel. Si vous allez bien voir si la direction des petits frères des pauvres vous confirme ou non que le 24 décembre, j'étais. On va appeler. Elle est tout sauf malhonnête, mais elle est rien sauf menteuse. C'est incroyable. Mais on va appeler les petits frères des pauvres pour vérifier. Appeler les petits frères des pauvres. Bien sûr. Ça n'existe pas. Ils ont pas le téléphone. Est-ce que vous êtes content de la réponse, Fabien? Oui, tout à fait. Bon, bonne nuit, Fabien. Merci, Fabien. Au téléphone, Terry, maintenant. Salut, Terry. Bonjour, Laurent. Bonjour, toute l'équipe. Bonjour, le public. Et bonne année à tous. Bonne année, bonjour, puisqu'on a encore le droit. Vous avez écouté le podcast de l'émission de jeudi dernier. Vous êtes étudiant en droit et vous avez une demande à faire à Christophe Beaugrand. Ah. Bah, écoutez, oui, je fais suite au podcast. Je voulais savoir s'il offrait toujours le livre La justice pour les nuls, parce que je pense que j'en ai grand besoin. C'est le cadeau qu'on vous avait offert pour le qui a le mieux bossé? Oui, je voulais l'offrir aux gens, voilà. Donc, il y a quelqu'un, parce qu'il était bien ce cadeau, mais j'en voulais pas. En fait. Je veux bien que Christophe Beaugrand me l'offre, ce livre, La justice pour les nuls, s'il veut toujours le donner, à condition qu'il me le dédicace, vous pouvez le faire. Ah oui, si on le retrouve, oui. Et que je le récupère autour d'un café que je lui offrirai pour discuter. D'accord. Et d'accord. Pour voir s'il y a la possibilité de devenir son assistant personnel. D'accord. Ça va finir en la sodomie pour les nuls, ce truc. Hein. Pardonnez-moi, excusez-moi. C'est sorti tout seul, je suis désolé. Pour les culs. Ouais. La sodomie pour les culs. Merci pour tout ce que vous faites. Mais c'est pas du tout sexuel. Ah pardon. Thierry a en fait envie de travailler avec vous, c'est bien ça Thierry? Oui. Tout à fait, ça me changera des grands coincés du droit que j'ai à ma fac tous les jours. Et ben voilà. Très bien. Voilà. Non, mais Christophe, moi je suis un décoincé du gauche. Christophe, tu vois, entre les barbes à papa et les backrooms, il n'y a rien d'autre dans ta vie. C'est vrai, il a raison. Il y a peu de choses. Il y a mon chien. Thierry, en tout cas, on essaie de vous retrouver le bouquin et on vous l'envoie, c'est plus prudent. Bonjour, si Claude Sarraute ne peut plus se déplacer dans l'émission, comme vous l'avez dit l'autre jour, on a eu la chance de l'entendre, Claude, en invité mystère. Pourriez-vous aller chez elle pour enregistrer une émission exceptionnelle, installer un mini studio, c'est pas bête. Oh chiche, on va le faire ça. Un mini studio dans le salon de Claude Sarraute. Christine, vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Partante, mais tout de suite, on y va. On verrait enfin ces 18 fenêtres. Là. Ah, on peut faire ça. Ah oui. Olivier, vous êtes d'accord pour aller chez Claude faire l'émission? Oh non. Pourquoi? C'est trop loin? Oh, c'est pas au bord de la mer. Ah bah presque. Ah presque, il y a quand même, c'est sur la Seine, ça donne sur la Seine. Ah ouais, j'y vais. Ben elle va bien, Claude. Elle a des petits problèmes physiques. Elle reviendra bientôt dès qu'elle aura subi une petite opération. Mais en tout cas, la tête, c'est parfait. Ouais, la tête, c'est très très bien. Elle est capable de vous raconter. J'ai les partouzeuses, c'est le cul qui suit. Elle est capable de vous raconter une conversation qu'elle a eue avec Christine Bravo, mais alors, comme ça, croyez-moi. Non, c'est une menteuse. Bon, il y a un petit conflit, on ne peut pas tout vous dire. Elle était méchante, mais je ne savais pas qu'elle était menteuse. On l'adore, Claude. On l'embrasse. Et elle reviendra, évidemment, très vite, dès que ce sera possible dans l'émission. On vous remercie, en tout cas, tous pour vos appels. Dans un instant, une rubrique très attendue dans On va se gêner. Le Jux Beaugrand, après la pub. Le Jux Beaugrand avait quand même un reproche d'un auditeur qui s'appelle Bruno qui dit « Monsieur Beaugrand, certes vous aimez chanter, nous aimons vous entendre chanter, mais pouvez-vous aller moins vite quand vous chantez? Quelle que soit la chanson que vous êtes en train de chanter, vous êtes toujours dans le même tempo. 110 à la noire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Beaucoup trop rapide. Ah, mais c'est parce qu'il est pressé, Laurent Ruquier. Il veut poser d'autres questions dans la foulée, donc je suis obligé d'aller vite. Non, si en plus ça dure deux fois plus longtemps, ça va être l'enfer. Ça va faire chier tout le monde. Alors que les chansons dont vous reprenez les paroles sont toutes différentes, le tempo, lui, est toujours identique. Ah oui, mais moi j'ai un problème de tempo, je suis désolé. C'est quelqu'un qui a l'oreille. Mais ça, oui, bien sûr, je vous embrasse. Alors j'ai par exemple, évidemment, quelqu'un qui s'appelle Alexis et qui réclame
dans le Jux Beaugrand le générique de Dragon Ball Z. Non, Dragon Ball. Ball. Dragon Ball Z, Z, Z. Le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, Z, Z. Combat tous les méchants. Dragon Ball Z, Z, Z. Je suis gêné pour chanter. Tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, Z, Z. Laurent, c'est pas normal, c'est lui qui chante, c'est moi qui sais plus où me foutre. C'était Ariane du Club Dorothée qui chantait ça. J'ai aussi Antoine qui réclame Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volley-ball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. J'ai Hugo qui réclame le générique d'Il était une fois la vie, dont l'interprète était Sandra Kim. Et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Relevons le défi. Oh, c'était tellement mais beau. Mais c'est préparé ou il connaît vraiment ça? Non, 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 c'est pas préparé. C'est quand même la version sonore de la poubelle magique. C'est ça. Bonjour Monsieur Ruquier, je suis surpris que lors de l'émission d'hier, vous n'ayez pas relevé la nouvelle imitation de Christophe Beaugrand quand il a imité le capitaine Olivier de Kersauzon. C'était vraiment top, personne ne l'a remarqué. Osera-t-il le faire? Non, j'ai tenté hier et j'ai vu que personne ne l'avait vu, donc je me suis dit que ça devait être raté. Il y a un auditeur qui a trouvé ça très réussi. Ah non, mais c'était super, moi j'ai beaucoup aimé l'imitation d'Olivier de Kersauzon. Oh, mais moi je suis insubmersible. Oh, ouais, fais pas chier, la poubelle magique, là, ça va. Hein. Oh putain! Il me regarde méchamment, j'ai un peu peur. Est-ce que vous pouvez me faire Gérard Miller discutant avec Olivier de Kersauzon? Ce qui me fascine, Olivier de Kersauzon, c'est de constater à quel point vous êtes passionné par ces rafios. Ah, ça, tu comprends rien, évidemment. Viens faire un tour à Brest, tu vas comprendre. C'est pas mal. Le jour où j'ai un problème, je vous appelle, vous faites l'émission tout seul. J'ai aussi quelqu'un qui s'appelle... Tu prépares un bel arrêt de travail, toi. Je sais pas quand ça va arriver, mais... Michel Delpech, les divorcés. Ah oui, mais alors, j'ai plus les paroles de celle-là. Ah bah d'ailleurs, faites bien de chantonner, vous, Isabelle Motreau, parce que j'ai un auditeur qui dit, c'est bien, le Jux Beaugrand. Mais Christophe Beaugrand a une voix de crécelle. C'est vrai. Alors qu'Isabelle Motreau, on est au paradis quand elle chante. Ah bah chante les divorcés, vas-y. Pourrait-elle le confirmer en nous chantant Sacré Charlemagne? Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. C'est vrai qu'elle a une jolie voix, Isabelle Motreau. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Elle a tout bien, Isabelle. Oh, arrête! Ah, la jalouse! Arrête pour une fois! Excuse-moi, mais ça me fait des vacances! Non. Alors, Christine, elle a une chanson qu'elle chante bien, c'est la chanson préférée. Ah oui! Moi, j'adore cette chanson de Christine, et puis je trouve que ça lui va tellement bien. Oh là là! Je sais laquelle! Ça tourne pas rond dans ma petite tête! Mais c'est une belle chanson! Mais c'est vrai, tu la chantes bien! Non, c'est vrai que vous la chantez bien, chanson, Christine. Vous pouvez pas me la faire une fois encore? On vient de renvoyer la bonne par laquelle volait des soi, maman. Elle a crié comme une folle, pleuré, c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois, j'ai de drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtise. Est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui veut prendre ma place? Non, mais on sent toute la tendresse. Vous n'aimez pas cette chanson? Non, mais c'est bon, les chansons, on peut passer à autre chose. Oui, c'est une chanson de Francis Blanche, je vous signale. Ah, bah alors, j'aime bien. Elle est très belle, cette chanson. Elle est très, très belle, cette chanson. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Puis ça vous va, mais alors, la fille qui ment, qui dit des horreurs, qui... Je suis en train d'imaginer la vieille dame qui a passé l'après-midi avec Christine qui lui a chanté des chansons le 24. C'est Odette Laure, je crois d'ailleurs, qui chantait cette chanson de Francis Blanche. C'est génial, Odette Laure. Si ma mémoire est bonne. Mais on va faire plus moderne quand même sur Europe 1 maintenant. Avec J'ai vu la lumière, la dernière. Dernière chanson, dernier single de Marc Lavoine qui sera sur mon plateau demain soir dans On n'est pas couché. Europe 1, on va se gêner.
qui a le mieux bossé ? Le qui a le mieux bossé ? On commence par vous, Beaugrand, puisque c'est vous qui avez gagné hier. Vous en êtes quand même à 7 victoires. Petit à petit, vous rejoignez Bonaldi, Diamant et Michalak, le trio de tête. Alors attention, voici la première question. Christophe Beaugrand ou Laurent Fabius a-t-il passé ses vacances de Noël ? Au Zanzibar. Zanzibar. Oui, c'est un bar. Le Zanzibar, c'est un bar gay à Cannes. C'est vrai en plus. J'ai votre nom, là, vraiment. Non, mais c'est dingue. Oui, mais c'est pareil. Je savais pas que Laurent Fabius. C'est vrai, on y est allé en plus. C'est vrai, j'avais oublié. C'est pas possible. Non, mais j'ai pas fait exprès. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, tout de même. Oui, il était à moins de 2 heures de Paris, à Cannes. Guy Carlier, en quelle occasion Pierazzi et Thiago Silva vont-ils s'affronter ? Thiago Silva joue au PSG, c'est donc un Brésilien. Et l'autre, qui est l'autre ? Pierazzi. Eh bien, il joue à Ajaccio ce soir, PSG Ajaccio. Excellente réponse de Guy Carlier. Alors ça, c'est très fort. Christine, bravo. Pouvez-vous me dire qui, en 2013, va notamment aller aux États-Unis, en Afrique et au Mexique ? Des quantités de gens, hein. En 2013 Non, dans ces trois pays. C'est Hollande. François Hollande, non, c'était Nicolas Sarkozy. Vous êtes éliminé, Christine. C'était presque. Bravo. Il va faire des conférences ? Il va faire des conférences. D'accord. Dans ces pays. À 100 000, c'est bien. Olivier de Kersauzon, ouais, pour éliminé, quelle raison a-t-on parlé de cette petite ville basque des Pyrénées-Atlantiques, Oustaritz ? Parce qu'il y a... À cause d'une écolière, d'une cantine, un truc comme ça, non ? Ouais. Bonne réponse, bravo, d'Olivier de Kersauzon. C'est là où on est allé chercher. Il y a une écolière qui a empêché un flic de bouffer à la cantine. C'est presque ça. Et la police a porté plainte parce que si la police ne peut pas aller bouffer en cachette à la cantine. Donc ils ont récupéré la petite écolière qui avait abattu ses parents la veille ou l'avant-veille. D'ailleurs, pardon, hein, mais... Pour simplifier le divorce de ces deux derniers... On pointe du doigt, juste raison, la mairie de cette ville qui employé les mauvais moyens. Mais enfin, les parents... Ils sont vraiment gonflés. Quand on lit le détail vraiment de l'affaire, on se dit quand même que les parents sont les premiers fautifs. Ouais. Hein. Mais elle, en plus, la gamine, qu'est-ce qu'elle a bouffé comme un goré, hein. Attends, elle a 5 ans, elle a le temps de grandir, elle peut quand même faire un peu de jeûne après tous ces refaits. En plus, ce qui est terrible dans l'article, c'est qu'ils disent que les flics l'ont sorti de la cantine et l'ont mis dans une salle à côté et pour la faire patienter, lui ont donné à manger. C'est quand même totalement ridicule. Non, mais le problème, c'est les parents qui sont des cadres sup, apparemment, en plus. Ils sont divorcés, personne ne veut payer la cantine. Ouais, c'est l'engueulade de la cantine. La mairie a quand même envoyé plusieurs courriers aux deux parents, des convocations, des coups de téléphone. À chaque fois, il nous disait « on va payer », mais rien ne venait. Le mari disait que c'était à la femme de régler et inversement. C'est la haine. Fin novembre, le couple... Tu sens le truc, tu sais. Avec la pension que je te donne, salope, tu pourrais payer la cantine. Le couple a été convoqué à la mairie fin novembre. Seule la mère s'est déplacée à la mairie. Le père ne s'est pas déplacé. Donc quand même, la mairie a fait... C'est normal que la coupable se déplace aussi. La mairie a fait quand même le maximum. À un moment donné, après que la façon de faire n'est pas été la bonne, c'est vrai, mais les premiers responsables, c'est quand même les parents. Et je trouve que le père, il est un peu gonflé de venir. Moi, j'oserais pas me présenter devant les caméras de télévision pour gueuler contre la mairie. Il dit qu'il a payé, le père. Il dit que ça a été réglé en décembre, en fait. Alors, je sais pas s'il y a eu un bug ou un problème, mais c'est ce qu'il affirme, en tout cas. Enfin, c'est quand même pas possible de mêler à une enfant de 5 ans. Enfin, si à 5 ans, elle bouffe pour 175 euros par mois, faut en prendre une autre. Attends, tu rigoles. C'est très cher, autant avoir un chenil. En tout cas, c'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Yann Moix. Ils étaient finalement 5000 hier à avoir embouteillé tout Paris. Les taxis. Les taxis, bonne réponse de Yann Moix. Une question facile. Allez, maintenant une question facile pour Isabelle. Isabelle Motreau, quel mot se cache derrière ces trois lettres dont on a hélas beaucoup parlé depuis hier? PKK. C'est le parti le parti turc d'opposition. Non. Je voudrais au moins un mot. Kurde. Oui, kurde. Ouais. Le parti kurde d'opposition au gouvernement turc. Le parti des travailleurs du Kurdistan. Je lui accorde la bonne réponse. Bravo, même. Isabelle Motreau. Dites donc qu'on a fait un tour entier là avec tout le monde. Non, à part Christine qui est éliminée. Ça te fait jouir de dire ça, c'est extraordinaire. Qui va être opposé à Naomi Watts, Jennifer Lawrence et Jessica Chastain?
Eh bien, c'est Emmanuelle Riva. Emmanuelle Riva, la française doyenne des actrices nominées aux 86 Oscars. 86 ans, je crois. Elle va avoir 86 ans le jour des Oscars. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mais quel film américain, Guy Carlier, est le plus nommé? 12 nominations aux Oscars. Lincoln. Lincoln, oh, bravo, là. Guy Carlier. Je saute, Christine, bravo. Oui, c'est ça. Tu nous gardes les droits vidéo. Guillaume O'Haraud, attaquant du Paris Saint-Germain, n'est plus au Paris Saint-Germain. Il est parti jouer où ça? Chez lui. Non. Et non, ben oui. Est-il parti jouer, Olivier de Kersauzon? Oui, eh bien quoi, il est parti jouer. Oui. Vous savez, vous? Je crois, c'est dans un pays qui paye très très cher, mais qui est nul en foot. C'est-à-dire? La Chine. En Chine, ah oui. Bravo, mais c'est Kersauzon qui est éliminé à son tour. Ouais, Yann Moix. Hein. Yes. Alors, on parlait de Lincoln, dont le film tourné par Spielberg a été donc nominé 12 fois pour les Oscars. Mais pouvez-vous me dire, évidemment, de quel état américain, le 16e président des États-Unis, venait quand il a été élu président de ce joli pays. Missouri. Non, c'était l'Illinois. Non. Vous êtes éliminé, Isabelle Motreau, qui a déclaré à propos de Bernard Tapie : je préfère que ce soit une personnalité française qui s'associe au groupe Ersan plutôt qu'un émir d'un pays lointain ou même nos voisins belges. C'est un Marseillais, évidemment. C'est un Marseillais, bah, c'est Godin. Godin, bonne réponse, ah, Isabelle Motreau. Ah, je pensais que c'était Brigitte Bardot. Marseillais. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire ce qu'on verra en septembre, en janvier et même dès avril prochain, il y en aura 3 au lieu d'une dans l'année. Des vendredis 13 ? Non. Qu'est-ce qu'on verra en avril prochain à la télévision, hein ? Ah, ben bah oui. Il manquait un bout quand même. En avril prochain, en septembre et en janvier. Mais je ne sais pas non plus, hein, en même temps. Il y en a 3 au lieu d'une. C'est les Molières, la cérémonie des Molières. Il va faire 3 Molières pour se rattraper. Il y aura 3 émissions des Molières. C'est alors, cette année. Public, privé, non ? Non, non, non. Ce sera consacré au théâtre. Il y aura d'abord les nominations, ensuite les récompenses. Et puis voilà. Mais si après, comment ça va ? On prend un café. C'est quoi, 3 émissions pour si vous n'aimez pas le théâtre, dites-le. Ah non, non, mais c'est très bien, mais c'est chiant comme la pluie, les Molières, quand même, non? Vous êtes éliminé. Bon, c'est pas grave. Christophe Beaugrand. Cette année, ça va être bien. Ah ouais. Guy Carlier, Jack Dorsey a été vu récemment sur un yacht dans les eaux chaudes de Saint-Barthélemy. Sa société, estimée à 11 milliards de dollars, est promise à une entrée en bourse. De quelle société s'agit-il? Je ne sais pas. Jack Dorsey, patron et cofondateur d'une du société. Musée, le musée d'Orsay. Il s'agissait de Twitter. Vous êtes tous éliminés. Isabelle Motreau est la grande gagnante. Je croyais que t'étais encore en course. Tu vois, Isabelle, ça arrive. Tu vas pas être déçu des cadeaux. Oui, je sais. Pas trop vite. C'est vrai qu'aujourd'hui. Je guigne. T'as un vieux Science et Vie qui va avoir match. Ah, super. J'ai d'abord, aux éditions Texki, je ne les connais pas, Drieux Godefridi publie De la violence de genre à la négation du droit. Ouh. Un très joli livre que je vous conseille. Ouais. En effet, dans ce bref essai, l'auteur réfute la théorie du genre et interroge la sexualisation de la violence psychologique. Ah, Il décrit la résurgence de l'arbitraire au sein du droit pénal européen. Ah, super. Je me suis dit, la théorie du genre, c'est intéressant. Voilà, j'ai le magazine J'ai faim. Spécial crêpes et galettes. C'est le numéro 3. Seulement, j'en rêvais. Seulement 3,50 €. Ah bah, un festival d'idées gourmandes, de crêpes et de galettes. C'est les mecs de J'ai soif et de J'ai envie de baiser. J'ai un très beau livre. Je suis abonné à J'ai envie de baiser. Pour le coup, celui-là, il est... Vous êtes abonné à J'ai envie de baiser, vous. Non, mais écoutez, et Jean-Marie Bigard à J'ai envie de chier. Et Olivier est abonné à J'ai envie de me casser. J'ai encore un joli livre. Là, celui-là, il est très très beau. Alors, pour le coup, hein, je suis sérieux. Ça s'appelle Des Sports. C'est le premier numéro. Et c'est un livre
plutôt, comment dire, c'est le premier magazine de sport à lire avec un marque-page. Mais c'est plus qu'un magazine, parce que ça ressemble à un livre. Et en même temps, c'est des très, très beaux articles sur le sport. Oh, super. Signé Pierre-Louis Bas, Maëlys de Kerangal, Bernard Chambaz. Ah, ouais. Il y a des conversations avec Denis Podalydès. Il y a la guerre du foot, la stratégie de match. Non, c'est vraiment un très beau livre. Vous pouvez l'offrir à Guy Carlier. C'est une revue, je crois. Il est intéressé, voilà. J'ai aussi Challenge, 200 000 postes à pourvoir, les 100 entreprises qui recrutent le plus en 2013. Ça peut vous intéresser. Bah, je ne sais pas ce que tu entends par ça peut vous intéresser. Bah, justement, moi non plus, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais Science et avenir, avec la polémique autour d'un nouveau papyrus, les évangiles secrets. Un papyrus. Et puis un papier écrit par Stevie, le cerveau d'Einstein, une surprenante découverte. C'est dans Science et avenir. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Guy Carlier, Yann Moix, Christophe Beaugrand et la grande gagnante du jour, qui a le mieux bossé, Isabelle Motreau. Eh oui, elle a du talent, elle est belle, elle est intelligente. Je vous souhaite la même chance, Salwita et Vincenzo. Bonjour. Alors, c'est pas possible ces prénoms. Pourquoi? Vous êtes belges tous les deux, c'est bien ça? Ah bon, bah, italien. Ah, bah, enfin, quand même, alors, on me dit que vous êtes à Mons, en Belgique. Oui, je suis italien toujours. Ah, vous êtes italien de Belgique. Je suis italien toujours. Ça s'entend que je suis italien. Je veux te dire que moi, comme italien, il n'y en a pas beaucoup. Ça a l'air. Moi, je sais faire les frites à la carbonara. Al dente, toujours les chips. Oui, c'est meilleur. Est-ce que vous avez le même accent belge, Salwita? Non, elle est danoise, Salwita. C'est un prénom. Moi, je suis de Bruxelles, donc moi, je n'ai pas d'accent. Elle n'a pas d'accent. Qu'est-ce que vous faites à Bruxelles, Salwita? Je suis traductrice, en fait. Traductrice. Franco-belge? Oui. Franco-belge. Non, mais oui, néerlandais aussi, c'est vrai. Et vous, Vincenzo, vous faites quoi à Mons? Moi, je suis gestionnaire client au service réparation chez Alstom à Charleroi. Très bien. C'est grâce à moi que vos trains roulent. D'accord. Et normalement, Vincenzo, t'as un accent. Hein. Si tu viens de Mons, normalement, t'as un accent. Hein. Ah, bah, il a un petit accent quand même, vous l'entendez quand même. Pas? Ah, moi, j'entends pas. Ah, on l'aura un petit peu quand même. Non, à peine, Vincenzo, je vous jure à peine. Très discret. Moi aussi, quand je me lâche. Mais on vous aime. Quand je me lâche, elle aussi. On vous aime, nos amis belges. Salut, t'as un petit message à faire passer depuis Bruxelles. En Belge. Je vous adore, c'est tout. Merci pour la bonne humeur, franchement. C'est gentil. Et vous, Vincenzo? Aussi, un grand bonjour à Claude Sarraute, en espérant qu'elle revienne très vite. Eh bien oui, elle va revenir très vite. Voici la question qui va vous départager, Salwita et Vincenzo, pour ce fameux appartement qui va vous accueillir pendant une semaine, appartement Lagrange Prestige, quand même. C'est pas mal, non? Vous êtes content? Oui. C'est à la station La Toussuire. L'écrin des Cibelles vous attend en Savoie. Un appartement spacieux, bien équipé, prêt à vivre. 310 km de piste. La piscine couverte est chauffée. Je vous en passe. Vous saurez tout sur le site internet. Les 310 km de piste traversent l'appartement. Si tu t'emmerdes, tu vois, ça fait de l'animation le soir. Voici la question qui concerne encore les Oscars. Tout à l'heure, on a dit qu'Emmanuelle Riva, notre comédienne française, était nommée parmi les 5 actrices. Mais parmi les actrices nommées, on note le nom de, qu'on connaît moins bien, il faut le dire, de Kwenzae Wallis. À 9 ans, la plus jeune. C'est la plus jeune nominée aux Oscars. C'est la plus jeune nommée aux Oscars. Bonne réponse, Vincenzo. Là. Y a pas photo. Alors là, Salwita, c'est incontestable. Ouais, non, c'est incontestable. Bravo, Vincenzo. Merci, Rita. Vous l'auriez su, Salwita? Non, vraiment pas. Je savais vraiment pas. Moi, je pensais que ça allait être une question sur Ben Affleck. Donc, vraiment, j'étais à côté de la plaque. Mais je suis contente qu'il y ait un Belge gagné. Fair play. Elle a la pêche. D'autant plus que c'est votre mari, n'est-ce pas? Elle est fair play. Oui, il est caché dans la pièce à côté, ouais. On viendra à Bruxelles bientôt et j'irai voir Lynn Renault qui joue dans Harold et Maud. Si vous voulez, je vous offre des places pour la tournée d'Harold et Maud à Bruxelles. Ça vous va, Salwita? Oh, super. Un grand merci, voilà. Laurent. Un grand merci. Et Vincenzo, bravo. Vous partez chez Lagrange Prestige. À la Toussuire en Savoie. L'homme d'affaires britannique Cecil Rhodes avait imaginé en son temps quelque chose qui commence à peine à voir le jour, même si, à mon avis, on n'est pas prêt de voir le bout.
On en a pour l'instant 40 kilomètres seulement. 40 kilomètres de quoi donc avait imaginé l'homme d'affaires britannique Cecil Rhodes? Ça se passe en Angleterre? Ça se passe pas en Angleterre. Dans le monde entier? Dans le monde entier, c'est-à-dire? Bah dans plusieurs pays du monde. Je comprends pas bien votre question. Non, bah les 40 kilomètres, ça se passe dans le monde entier ou c'est dans un pays en particulier? Est-ce que c'est... Expliquez quoi, ôtez-moi d'un doute. Est-ce que sa question est compréhensible? Ah, si, ah, si, si. Mais je comprenais pas la vôtre, alors c'était pour ça. Il y a un kilomètre, ça peut être le rail en béton du turbotrain qu'on voit. Voilà, par exemple, c'est les rails en béton du turbotrain d'Orléans. Alors, les 40 kilomètres en question... Merci Guy. Est-ce que les 40 kilomètres sont d'un seul tenant? Mais on comprend, qu'est-ce que c'est que cette question? Oui, on comprend oui, pas. Oui, oui, la réponse d'accord, est oui. Donc est-ce que c'est 40 kilomètres de quelque chose, de matériel? Non, les 40 kilomètres sont d'un seul tenant, ils sont dans le même pays. Ah, mais voilà. Mais ce qu'avait imaginé, je vais répondre à votre question, j'essaye en tout cas, ce qu'avait imaginé Cecil Rhodes, homme d'affaires britannique, lui, ce n'est pas dans un seul pays. Est-ce que c'est ce que je vous dis, c'est que non, mais j'ai compris, là, j'ai ce compris. Qu'a imaginé. Si ça avait marché, ça aurait fait plus de kilomètres. Ça doit être un tunnel. C'est pas un tunnel. Un pont. Non. Marque un pont qui s'arrête au milieu. Un pont de 40 kilomètres, c'est déjà un grand pont. Ça rapport avec l'astronomie. Est-ce que c'est 40 kilomètres de haut? Non, c'est de long. Alors de long. Est-ce que tu rentres par un bout et tu sors par l'autre? Jamais moi. Non. Je ressors toujours par le même endroit où je suis rentré. Non, t'arrêtes. Quelle horreur. Est-ce que tu rentres dans, tu peux rentrer dedans? Qu'est-ce que vous appelez rentrer dedans? Bah, rentrer dedans, c'est un tunnel. Bah, comme si, non, c'est pas un tunnel. Voilà. Est-ce qu'on peut marcher dessus? Oui, marcher, oui, mais enfin. Courir. Courir si vous avez envie. Rouler. Rouler, voilà. Mais c'est une avancée technologique ou pas? Technologique, ce n'est pas le mot, mais ce serait quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est à peine imaginable. Pour l'instant, il y a 40 kilomètres qui existent. Et lui, Cecil Rhodes, je vais vous dire, il en avait imaginé beaucoup plus. On n'est pas prêt. De kilomètres? Non, mais il avait imaginé plus de kilomètres. Oui. C'est dans un lieu précis. Les 40 kilomètres sont dans un lieu précis. Est-ce que le trouver le pays va nous aider? Peut nous aider? Le pays peut vous aider, là où il y a déjà les 40 kilomètres. Ouais. Ça, on le sait, c'est de notoriété publique. Ça, je peux vous le dire, ça vient d'être fait. Mais c'est où? Mais alors, est-ce que c'est par exemple un espace dans lequel, pendant 40 kilomètres, on peut faire un truc précis? Ou est-ce que c'est quelque chose genre un câble? C'est une route, c'est une forme de route. C'est une route, c'est même mieux qu'une route, c'est une autoroute. Une autoroute. Ah, ça y est, on avance. Bon, alors une autoroute pour aller qui traverserait le désert, par exemple. Pour aller quelque part. Donc. Souvent, les autoroutes. Ouais. Et pour en revenir aussi, alors. Et pour aller quelque part d'exceptionnel. Je vais vous aider parce que là, je crois qu'on n'avancera jamais. Hein. L'autoroute qui vient d'être construite et qui fait 40 kilomètres, elle est au Kenya. Voilà. C'est pour les éléphants. Mais non. C'est la... Une autoroute pour éléphants. Ouais, mais c'est... Bon. Attends, elle est couverte. Il faut que ce soit solide, hein. T'es marrant, toi. Elle est sous terre. Elle est couverte. Mais non, mais une autoroute, c'est pourquoi une autoroute? Pour rouler. C'est pour rouler. C'est la transafricaine, peut-être. C'est-à-dire? Il envisage une autoroute qui traverserait... Qui relierait quoi? Le Cap à Alger. Pays du Maghreb. Le Cap au Caire. Okay. Excellente réponse, Guy Carrier. Ça fait combien de kilomètres, ça? Eh bien, ça fait 12 000 kilomètres. Ah oui, ça fait quand même long. Le Caire, c'est ce qu'avait imaginé l'homme d'affaires britannique Cecil Rhodes. On en est bien loin des 12 000 kilomètres, oui, puisque pour raison. L'instant, 40 kilomètres ont été tracés au Kenya, entre Nairobi et Tika. Il y a des mecs dessus. Quoi? Il y a des mecs qui l'apprennent. C'est quand même des villes, des capitales qui n'ont rien... Je veux dire, je sais pas moi, il y a des autoroutes qui passent à Rouen. Rien à envier au Havre. Voilà, par exemple, ou à Rouen, je veux dire, les grandes capitales africaines n'ont rien à envier à la plupart des villes françaises qui sont traversées par des notamment autoroutes. Notamment à Montmorillon. Christine, bravo. Il faudrait que vous ayez une autre idée. Vous êtes allé quand pour la dernière fois en Afrique? Au Kenya, c'était mon voyage de noces. Ça fait 25 ans, il n'y avait pas d'autoroute, hein, je peux te dire. Ah, t'étais dans la réserve, c'est pour ça. Mais non. Ah non, attendez, votre mari vous a emmené dans un safari pour un voyage de noces. Ouais, c'est mignon. Il a voulu la buter dès le départ. Tu veux que je te dise, j'ai fait le safari le plus formidable de ma vie. J'ai vu, après à peu près 8 heures de piste, deux oreilles de gnou. Très très loin, derrière un arbre. Attends, moi j'y suis allé, c'est génial. Et une fourmilière vide. C'est vrai? Oui. Oh la loseuse. Avec un guide Maasai, enfin un faux Maasai. Oui, le faux Maasai qui est devant l'hôtel, qui prend photo pour $3. Et qui disait...
On cherche les crottes, on est sur la piste. Avec, tu sais, les cars où tu... Où, parce que tu peux tellement te faire attaquer par un tigre que tu vois... Ah ouais. Ou à Lyon, pardon, pas un tigre. Et donc, en Afrique, oui, ça. Oui, c'est pour ça que j'ai rectifié. Donc, tu regardes par une sorte de lucarne et on te dit, attention, c'est méga dangereux. Et t'as un gnou à 300 km. Méga dangereux. Et tu peux pas sortir du car pour les crottes parce que tu risques de te faire attaquer partout. Et non, et c'est peut-être qu'ils veulent pas que tu marches dans la merde. Hein. Oui. Et c'était un car d'Allemand qui... Ils ont peur pour les animaux, à mon avis. Quelle horreur, tu payes 1000 balles, tu te fais arnaquer. Et je me suis fait... J'ai été acheter un faux Maasai des cuillères en bois là, pour la salade en ébène. Quand je suis revenu chez moi, elles ont déteint. Ma première salade était noire. Je vous jure. Ah, je vous les ramène. Non, ben, les enfumer. Ils m'ont ciré mon... ils m'ont vendu de l'ébène cirée. C'est parce que votre mari n'avait pas mis le prix. Parce que je suis désolé, moi j'ai fait un vrai safari en Tanzanie. Et croyez-moi, c'était vraiment chouette. Et on voyait des vrais animaux en vraie liberté. C'est un cadeau de mariage. Ah ben, oui. Ah ben, il n'avait peut-être pas dépensé des masses. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est voilà, un cadeau de mariage. J'ai vu des vrais girafes, des vrais zèbres. J'ai vu des lions. Mais moi j'ai fait ça au Kenya aussi. J'ai vu tous ces animaux. Mais où? En Tanzanie, au Kenya. Je sais pas, dans Maasai Mara, là, la réserve. Ah, mais moi Maasai j'ai pas fait Maasai, j'ai fait Tsavo Est. Moi c'est Jacques Martin qui me l'a offert. C'est pas vrai. Si, racontez. Ouais. J'étais candidat dans une émission de Jacques Martin et j'ai gagné un safari photo au Kenya. Christophe Beaugrand, tu as gagné. Exactement. C'est chouette, un beau safari. C'est super. Après, c'est vrai qu'il t'emmène dans le village Maasai Mara qui, ça, c'est vrai. Qui je pense est faux. Donc tu vois des espèces de petites castes, t'as des mecs qui sont habillés et tout ça en... Je l'ai fait aussi, en Maasai, qui te font goûter un porridge dégueulasse dans leur truc, t'es obligé de dire c'est très très bon. Mais tu leur donnes des stylos, ils sont contents. Il y a même un Maasai qui parle français, qui m'a dit, nous, bien couillonné Christine, bravo. Il avait l'accent chinois. Pour quelle raison Brigitte Bardot est contre le chien Cartouche? Le chien Cartouche, est-ce que c'est un chien qui fait de la publicité? Non. C'est un vrai chien? C'est un vrai chien. C'est le chien de Belmondo? Non. Ça pourrait, c'est vrai, suite au film Il Cartouche. Il fait du cinéma? C'est avec Claudia Cardinale, Cartouche. Ouais. Le chien Cartouche ne plaît pas à Brigitte Bardot. Mais comment ça, elle est contre? Elle est contre. C'est un chien savant. Comment est-ce qu'on peut être contre un chien? C'est un chien qui est dans une pub? Elle s'oppose au chien Cartouche, il n'est pas dans une pub. Est-ce qu'il est utilisé pour quelque chose et c'est ça qui ne lui plaît pas? Oui, c'est une mascotte, le chien Cartouche. Ah, bah alors, la mascotte d'une marque? La mascotte d'une marque, non. D'une équipe de d'une foot? D'une équipe sportive? Non plus. D'une ville? Réfléchissez un peu, le chien Cartouche, il peut être la mascotte de qui? Des chasseurs français. Des chasseurs alpins. Des chasseurs, mais de quel chasseur? Et pourquoi est-ce qu'il y a des chasseurs du PKK qui ont tué les trois gonzesses là? Non. Quelle horreur. Les chasseurs à cours? Non. Attends, c'est les chasseurs qui plaisent pas à Brigitte Bardot, des chasseurs maghrébins? Non, de toute façon. Non, s'il s'appelle Cartouche. Bah, aucun chasseur ne plaît à Brigitte Bardot. Aucun chasseur ne plaît à Brigitte Bardot, mais pourquoi les chasseurs aurait-il une mascotte qui s'appelle Cartouche? C'est pour un but bien précis, une opération bien précise que Brigitte Bardot désapprouve. Et je dois dire que c'est un peu curieux quand même comme opération. Je suis pas loin d'être d'accord avec Brigitte Bardot sur cette affaire. Ça doit être une battue pour des animaux qui se sont trop reproduits, non? Non, du tout. Pour l'ouverture pour de la chasse? Non, la chasse à la palombe, il réclame de pouvoir tuer plus d'animaux? Non plus. Ou les tuer autrement? Qu'est-ce que font les chasseurs avec leur mascotte, avec les dents, le chien Cartouche, qui ne plaît pas à Brigitte Bardot, qui ne me plaît pas trop non plus d'ailleurs, je dois dire. Bon, il s'agit de tuer des animaux, mais des animaux particuliers. Non, les chiens ont le droit de tuer. Dans cette opération-là, on ne tue aucun animal. Mais. On en dit beaucoup de mal. Salope, la biche, salope. Ah oui, c'est de la diffamation animalière. Ça va pas jusque-là, mais dans l'esprit de Brigitte Bardot, en tout cas, ça n'en est pas loin. Le chien fait la promo d'une marque de Cartouche? Non, pas d'une marque. Est-ce que c'est parce qu'on se moque des animaux? Le chien est la mascotte, le chien Cartouche est la mascotte d'une opération que font les chasseurs, opération à laquelle s'oppose Brigitte Bardot. Est-ce qu'on se moque des animaux? Est-ce qu'ils mettent des perruques sur les chevreuils? Ils font parler le chien? Non plus.
Que peuvent bien faire les chasseurs avec une mascotte? Pourquoi ont-ils... Il n'y a qu'un seul chien. Non, mais c'est une mascotte, le chien, il n'existe pas. Et il est en peluche. Oui, je m'en fous. Il s'appelle... Mais il c'est un événement qui va... Il est mascotte d'un événement qui va se produire, par exemple, un seul jour. C'est pas un événement, mais c'est la Fédération nationale des chasseurs qui a mis en place cette opération. Oh, ils vont aller sur les aires d'autoroute promouvoir la chasse, dire qu'ils sont pas cruels. Ah, dans les écoles. Dans les écoles. Dans les écoles. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah oui, bah non. Ah ouais, non, Carrier. Ouais. Mais ça va pas. Les chasseurs vont aller dans les écoles pour des séances d'initiation à l'écologie. Ils vont dire nous rétablissons. À l'écologie, les chasseurs. Oui, ils vont parler du mariage gay entre chiens. Non, mais après, il y a certains chasseurs qui ont... Que fait Vincent Payon? Non mais les chasseurs évidemment, c'est vrai qu'ils sont intéressés à l'écologie, les chasseurs. Bah, non plus. Il y a plusieurs qui s'intéressent aussi à la... C'est les seuls à connaître vraiment la nature aujourd'hui, tu rigoles et tout. Non mais c'est toi qui connais l'équilibre. Tu vois pas la différence entre un pigeon et un lapin? Tu plaisantes. Et les agriculteurs et les gens qui travaillent dans la nature toute la journée, ils connaissent pas la nature. Les agriculteurs travaillent dans la nature. Tu as déjà vu un champ moderne? Oui, j'ai déjà vu des champs modernes. Et j'ai aussi vu des champs modernes où les gens crève de faim. Qui s'en met noir. Le mec, il est dans son... D'avoir t'es qu'une fille, je vois pas pourquoi tu parles. Voilà, la vérité. Moi, je suis assez d'accord et avec Brigitte Bardot. Et avec moi, je suis assez centriste dans mes positions. Non mais attends, il y a un truc qui m'étonne. Toutes les nouilles sont centristes et d'accord avec tout le monde. Il y a un truc qui m'étonne, c'est pourquoi les chasseurs ont le droit d'aller faire la promo de la chasse à l'école. Parce que la chasse, c'est la connaissance du gibier, donc la connaissance de la nature. Ils devraient aller sur les campus américains, les chasseurs, pour expliquer qu'il ne faut pas tirer sur les enfants. Oui, oui. Non mais c'est un peu curieux. Aux États-Unis, ils y vont déjà, les chasseurs. C'est un peu curieux que les chasseurs viennent. Ils sont censés raconter quoi à l'école? Ils y vont sans fusil. Bah, ils vont. J'imagine. Et... Bah ouais. Non mais qu'est-ce qu'ils sont censés dire? C'est pour donner envie aux gamins. Après ils mangent à la cantine. C'est pour donner envie aux gamins de devenir chasseurs plus tard. Non, c'est pour leur expliquer. Mais leur expliquer quoi? La chasse. Qu'ils ont une mauvaise image et que c'est pas juste parce qu'ils contribuent à l'équilibre de la nature. Les races de sangliers, par exemple. Vous pouvez pas nier, chère Isabelle Motreau, et là je rejoins notre ami et ce grand penseur qui est Olivier de Kersauzon. La nouille penche à droite. Vous pouvez pas nier quand même que les chasseurs, par exemple, sont utiles contre les sangliers. Il y a trop de sangliers, c'est mauvais pour l'écosystème. Les renards. Il y a trop de sangliers, il y a trop d'enfants, il y a trop de chômeurs. Où vont la chasse? Alors là, d'accord. Tu fais des battues de chômeurs, ça résout pas Quel horreur. Non, là, je suis d'accord. Là, je pense en que Sologne. Effectivement, il faut reconsidérer. Les violeurs vont vouloir y aller aussi. Bah oui, non. Bon, le chien Cartouche, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler autrement, le chien, que Cartouche. Oui, oui. Mais non, c'est des chasseurs. Non, mais pour les enfants. Elle a un peu raison, Brigitte Bardot. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin de chasseurs. Oui, mais si ça continue comme ça, on n'aura aucun massacre dans une école française. Il n'y a que les écoles américaines. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. C'est vrai, on est toujours en retard sur les États-Unis. Comment veux-tu flinguer 15 mômes avec une carabine à un coup? Merde. Je vous emmène maintenant au parc de la Villette ou, si vous préférez, à la Pitié-Salpêtrière. Ou encore... Moi, je préfère à la Pitié-Salpêtrière, si je peux choisir. Ou encore à la Cité internationale universitaire. Oui. Que va-t-on pouvoir voir bientôt dans ces trois endroits? À la Cité 1. C'est des animations dans les jardins. Un spectacle? Non. Une expo? Non. C'est culturel? Non. Au parc de la Villette, à la Pitié-Salpêtrière ou à la Cité internationale universitaire. Un film? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir bientôt là-bas? Un clown? Non. Est-ce que c'est quelque chose de vivant? Oui. Ah, un animal? Oui. Le chien Cartouche. Une vache, on pourra traire une vache? Non. Une cigogne? Non, on a installé là-bas, au parc de la Villette, à la Pitié-Salpêtrière et à la Cité internationale universitaire, quelque chose qui devrait attirer... Une ferme? Une ferme, non. Oui. On attire rarement les fermes, vous savez. Des abeilles? Des ruches? Des ruches, on a installé des ruches pour attirer les... Pas du tout. Et on peut... qu'on veut attirer? C'est ma question. Est-ce qu'on peut attirer des choses qui volent? Oui. C'est-à-dire, on a mis des bêtes pour attirer d'autres bêtes? Non, on a mis des choses... C'est des oiseaux? On a mis des nids, bravo, pour attirer... Des oiseaux. Ouais. Les pigeons? Ah ben non, il y en a plein. Pigeons, non. Des rapaces? Des moineaux? Quel genre? Des rapaces? Des aigles? Des aigles? Non, des faucons? Non. Des buses? Buses. Des vautours? Des vautours? Non, il n'y a pas de vautours. Des hiboux? Des chouettes? Des chouettes! Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oh, c'est chouette.
J'adore les hiboux. On va avoir des chouettes désormais au parc de la Villette. Ah, c'est chouette. C'est trop beau, ça tourne la tête de manière géniale. À la pitié Sainte-Pétrière. J'adore. Comment ça tourne la tête? Eh ben, ça tourne la tête. Je peux pas le faire. Complètement. Ça se tourne. Comme dans l'exorciste, c'est super. Ça fait le tour. On peut pas le faire, imbécile. Non, je suis pas une chouette, en fait. Je savais pas que ça faisait ça, une chouette. Ah, bah, ouais. Ça tourne si, complètement. Ça tourne. Heureusement que les perroquets peuvent pas tourner la tête parce qu'ils diraient il va sucer des bites en enfer. Non, mais ça, il faut avoir vu le film. Hein. Et à vous, vous connaissez bien les animaux, Christine. Les bites aussi. Et l'enfer. Non, enfin, franchement. Non, franchement, c'est pas possible. Vous qui connaissez bien les animaux, la sexualité de la chouette. Normal. Normal ? Mais c'est quoi normal pour une chouette ? À la papa. Comment ça, à la papa ? Si on pouvait passer sur un autre domaine par rapport à votre question, Laurent, quel est l'intérêt d'avoir des chouettes à la Pitié Salpêtrière ? Parce que le mec, il a été opéré. Ah oui, c'est vrai. Et déjà, il a du mal à dormir. Il est gavé de trucs et tout. Puis toute la nuit, il entend « Houhou !» C'est l'enfer, quoi. C'est vrai. Qui a ressenti un tremblement de terre chez lui à minuit et demi alors qu'il jouait au poker avec ses enfants. C'est Bayrou. Ouais. François Bayrou, bonne réponse de Christine Bravo. Comment vous savez ça ? Parce que... C'est arrivé qu'à lui. Ouais. Non, mais... Et puis, mais ça a tremblé. Je croyais que c'était interdit de jouer au poker. Non mais c'est dingue ce mec, il joue à minuit avec ses enfants au poker. Ah ouais, mais... Bien sûr que chez soi on a le droit de jouer au poker. Avec du pognon. Bah, chez soi on fait ce qu'on veut évidemment. Chez Philippe Devilliers c'est du strip poker. On n'a pas le droit. Il était où alors Bayrou là ? Chez lui que je vous dis. Et à un kilomètre de l'épicentre. Voilà, alors expliquez-vous qui aimez bien les séismes. Mais un épicentre c'est... C'est un épicentriste en fait Bayrou. L'épicentre de la secousse, c'était à Coaraz, je ne connais pas cet endroit. C'est à 1000 mètres de chez François Bayrou. L'épicentre était à 1000 mètres de chez lui, donc c'est dire quand même qu'il a quand même bien dû ressentir. Ça se coule, hein. Les cartes ont dû voltiger. Ah oui, ça se coule. 4 combien ? 4-8 à l'échelle. 4-8, oui. C'est ouais. Beaucoup. Hein. Dans la région de Pau, et c'était le 31 décembre quand même. Ouais. Donc ça veut dire que le 31 décembre, à minuit et demi, à peine une demi-heure après les vœux, c'était le tripot. François Bayrou, il joue au poker. Attends, c'était Macao. Il veut se refaire, en fait. Hein. C'est ça, le truc. Vous jouez au poker, vous, Olivier de Kersauzon ? Non. Ah, c'est dommage. J'ai arrêté. J'ai joué beaucoup. Ah ouais, vous deviez jamais. Terrible au poker, vous. Hein. Ah ouais, non, ouais. À une époque, j'ai joué beaucoup. Hein. Vous étiez bon, je suis sûr. Ouais. Non, j'ai gagné bien ma vie à une époque. Ouais. Moi, j'ai commencé un petit peu à jouer là pendant les fêtes. Ah si, c'est marrant. C'est parce bien. Parce que ça se voit. À apprendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, le problème, c'est qu'il faut rester impassible. Toi, je suis sûr, le caillou, là, je suis sûr, t'as un Olivier bon est jeu. Génial au poker. Tu commences à frétiller. Donc, t'es nul. Toi, tu joues, par exemple ? Moi, oui, je me fais avoir à tous les coups. Parce que ça se voit. Vous jouez, vous ? Non, j'ai jamais joué aux cartes de ma vie. Si, au Monopoly. Non, enfin, Monopoly, à la bataille. Au Milborn et à la bataille. Vous, c'est pas mal, vous seriez bon au poker. Non, mais on voit pas quand vous souriez, vous. Je souris jamais, donc. C'est pour ça. Il ne manifeste aucune joie. Donc ça doit être terrible de jouer contre vous. Si on jouait. Et vous, Carlier ? Eh bien, c'est drôle, parce qu'on m'a appris, là, pendant ces fêtes. Eh bien, moi, pareil. On m'a initié. Et voilà, je trouve ça marrant. Quoi. Moi, j'avais joué qu'au Pouilleux jusque-là. Oui, oui. Ouais. Au tarot. Au tarot. Moi, j'adore le tarot. Ah, le tarot, c'est bien. T'as joué au Pouilleux aussi. Bah oui, le Pouilleux, c'est l'as de pique. Ouais. Faut pas l'avoir. Et le Pouilleux massacreur. Tu te souviens, on avait peur de l'avoir, le Pouilleux. Et le Pouilleux massacreur, t'as joué ? Ah, le Pouilleux massacreur, c'est quoi ça ? Bah, c'est en fait quand tu perds, on te pince et tout. C'est... Carreau donne un coup de pied, un coup de poing sur la main. Trèfle, on vous vrille la main avec les ongles. Là, j'ai une question sur le poker. Est-ce que intellectuellement, c'est un jeu compliqué comme le bridge par exemple ou... Le poker. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de réflexion. Il faut de réflexion. Il faut avoir quand même un peu des tactiques et puis réfléchir au nombre de cartes qui sont sorties. Moi, j'en suis pas là encore à calculer. Il y en a quand même qui sont à imaginer ce que les autres ont. Mais il n'y a pas de réflexion. Tu n'as pas le droit, mais tu le fais quand même. Bah oui, on peut compter les cartes quand même. Oui, on peut compter les cartes. C'est comme au tarot, tu comptes les cartes. Mais c'est fatigant. Mais alors, c'est quand même chouette quand t'as par exemple tu crois avoir je sais pas moi 4 cartes, tu crois que t'as gagné, puis paf, t'en as un qui a une quinte par exemple, c'est génial. Patrick Bruel, vous jouez au poker ? Oui, c'est vrai, je joue au poker, je perds souvent, mais je suis un des plus grands champions français. Oui. Ouais, j'ai que ça à foutre en même temps. Je vends des 10, j'ai plein de blé et j'en gagne encore.
Et vous jouez contre qui au poker, Patrick ? Valérie D'Amido. Ah, c'est vrai que c'est une grosse joueuse. Enfin, une grosse joueuse. Ouais. C'est une grosse d'abord et elle joue ensuite. Non, mais j'ai voulu dire, c'est une joueuse importante. Ouais, elle joue avec Bruce Toussaint aussi, c'est un gros joueur. Bruce Toussaint, il joue ? Oui. Ouais. Ah bon, au poker ? Ouais, Estelle Denis, Raymond Domenech. Ah ouais ? Toutes les stars, Virginie Efira. Ouais. Et Bruno Solo aussi. Bruno Solo aussi. Caroline Diamant parmi nous. Ah mon Dieu, par Caroline Diamant. Non, mais il y a beaucoup de people. C'est devenu très, très à la mode pendant une époque. Et il y avait des cercles de jeux et on voyait énormément de people pour aller faire signer des autographes. Il y avait des fans qui attendaient en bas des cercles de jeux qui y a sur les Champs-Élysées parce qu'ils savaient qu'il y avait plein de stars qui allaient sortir avec des footballeurs aussi qui jouent. Pas, en tout cas, on n'imaginait pas François Bayrou joueur de poker. Non, c'est pas son... Ah, c'est pas son... On l'imagine pas grand-chose. c'est pas son image. Le prince rouge. C'est un prince, on va dire, libéral, demi-frère du roi Abdallah en Arabie. Je connais, personnellement. C'est vrai ? Ouais. C'est le prince Aziz Ben Talal. Exactement. C'est une espèce d'insoumis de la famille royale saoudienne. Talal Ben Abdelaziz. Ouais, c'est son nom. C'est ouais, on l'appelle Talal, nous. C'est quand on le connaît. C'est vrai. C'est le demi-frère, d'Abdallah. Ouais. Et il habite en France ? Il a un appartement, il a un immeuble, un hôtel particulier. Oui, c'est ça, il a une studette. Ouais. Et je lui ai brûlé sa moquette d'ailleurs. À l'époque, je avec les genoux. J'étais directeur financier de Hanan Khashoggi et on avait construit on avait décoré son hôtel particulier. Et vous savez, évidemment, il avait des goûts un peu saoudiens, des grandes moquettes à poils, des choses comme ça. Et alors, comme il y avait le chantier était en cours, ils avaient mis des plastiques, tu sais, sur la moquette. Ouais, ouais, bien sûr, pour protéger. Et à l'époque, je fumais et je sais pas pourquoi j'ai écrasé mon mégot, mais je l'ai écrasé sur le plastique qui a, lui-même brûlé le truc. Tu lui as changé ? Ça a été l'enfer. J'ai cru que j'allais être lapidé. Et alors, c'est extraordinaire. J'ai fait un truc avec lui. Je suis allé chasser avec le faucon dans le désert. C'est-à-dire que tu as 15 camions dans le désert, tu passes du Moyen-Âge au 21e siècle. Lui est devant avec les Mercedes et tout ça. Et tu as des camions qui sont des appartements. Chaque camion, tu vois, c'est un châssis Mercedes. Et puis derrière, c'est 3 mètres par 8. T'as l'appartement des femmes. Et puis le dernier, c'est un bloc opératoire. Et il y en a 14 comme ça dans le désert. C'est incroyable. Et t'as la salle de billard. Ouais, ouais, il y a tout. Et tu vas chasser, t'as le faucon sur le pouce, enfin sur l'index. Comme ça, tu lui enlèves le chapeau et il va à côté de Riyad. Il va chasser quoi? Bah le faucon, il ramène quoi? Il ramène des lapins, des choses. Mais il revient. Il a 82 ans aujourd'hui. Oui, maintenant, il est plus tout jeune. Le prince rouge, il est plutôt libéral par rapport... Il s'est beaucoup investi à l'UNESCO et tout ça. Ouais. Par rapport à son demi-frère, le roi Abdallah. Et là, il réclame des droits pour les femmes en Arabie Saoudite. Quels droits réclame-t-il? Alors là, il y a le choix. Oui, il y a le droit de respirer. Non, en l'occurrence, c'est de le conduire. Droit le droit de conduire. Le droit de conduire pour les femmes. Ça, c'est bien. Bonne réponse de Guy Carrier. Et c'est affolant. En Arabie, par exemple, les bus, l'arrière, t'as le tiers arrière des bus, dont les vitres sont peintes en noir. Déjà, t'arrives à l'aéroport, t'as Women's Room, tu vois. Donc, voilà. Et puis, dans les bus, elles sont à l'arrière, enfin, cantonnées au. Peuvent pas les voir, ouais. Elles peuvent pas aller dans un magasin si elles sont pas accompagnées par un homme. Enfin, il y a plein de trucs. Évidemment, elles n'ont pas le droit de conduire. Le droit de bien se conduire pour les hommes. Surtout. Il y a un film qui s'appelle Vajda qui va sortir bientôt, qui se passe en Arabie Saoudite. C'est la réalisatrice, c'est la première femme à faire du cinéma en Arabie Saoudite. Il a été tourné là-bas le film. Où le cinéma est interdit, il faut quand même le savoir. Il y a pas de salle de cinéma là-bas. Et dans ce film qui raconte l'histoire d'une petite fille, on voit la condition des femmes là-bas, c'est hallucinant. Enfin, c'est quelque normal. Chose qu'on oublie. C'est normal. Non, vraiment. Vraiment, c'est extraordinaire. T'arrives à l'aéroport, t'as l'Express, Le Point, les revues que t'as pris à Paris, d'accord ? Ouais. Et puis t'as des pubs pour des programmes immobiliers au bord de la mer. Et puis ils dessinent une fille qui va dans l'eau, tu vois. Et t'as le type, le douanier a un gros feutre noir et il habille la femme d'une sorte de robe noire. Enfin, il a voile, quoi. Il a voile sur les pubs. En tout cas,
cas, peut-être elles pourront bientôt conduire en Arabie Saoudite, les femmes. Voyez, quand même, petit à petit, à vous gagner des... Ouais, ouais, non, mais bah, pour aller faire les courses, c'est pas mal qu'elles prennent la bagnole, quand c'est même. C'est vrai que la réalisatrice elle-même a fait ce film et avec beaucoup de difficultés, mais elle dit elle-même que effectivement les choses avancent quand même un peu. Mais elle a tourné en douce, forcément. Là. Alors, elle a tourné en douce parce qu'elle n'a pas le droit de tourner vu que c'est une femme, qu'en plus... C'est sournois, les gonzesses. Hein, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Elle fait en cachette et tout. Mais quelle saloperie. Hein, d'ailleurs, ce sera pareil pour les femmes au volant. Elles auront le droit de conduire, mais pas le droit de tourner. Ouais, ouais. Il a 75 ans et une exposition entière lui sera consacrée en mars prochain au Salon du Livre. De qui s'agit-il ? Est-ce que c'est un Français ? Alors, on va dire qu'il est adopté par la France. Ouais. Est-ce qu'il est chinois ? Non. Est-ce que c'est un auteur ? Non. Est-ce qu'il dessine ? C'est un dessinateur ? Non. De bande dessinée ? C'est un personnage. C'est un personnage. Alors, est-ce qu'il est de la nationalité à laquelle est consacré le Salon du Livre ? C'est-à-dire, il est... Je sais plus. Ah bah alors. Je ne sais pas moi non plus. C'est un personnage de bande dessinée ? C'est un personnage de bande dessinée. Animal. Et c'est pas au salon de la bande dessinée qu'il sera exposé, c'est bien au Salon du Livre à Paris mais en mars. Mais il y a des gros stands bande dessinée au Salon du Livre. C'est un mec ? C'est un mec, ce personnage. C'est un super-héros ? 75 ans, c'est pas un super-héros. Un flic ? Un flic non plus. Un marin ? Un marin, non. Un capitaine ? Non. Il est beau gosse ? Je veux dire que c'est le seul qu'on connaisse dans sa catégorie professionnelle. C'est Tintin ? C'est pas Tintin. Non, parce que des journalistes, il y en a pas mal dans la bande dessinée. Natacha, hôtesse de l'air, Spirou. Mais non, parce que c'est un homme. Natacha, c'est Spirou, pas mal. Spirou, oui, Spirou. Peut-être. Spirou, bonne réponse de Yann Moix, c'est Isabelle Motreau. Ah oui, il est né en 1938, en avril 1938. Ouais, sous les traits de Rob Vell, Robert Velter. Exactement, Spirou a 75 ans déjà. C'est génial, Spirou. Il est né en... Il était groom. Il était groom. Il a gardé le costume. Au Moustique Hôtel. Ensuite, c'est Franquin qui l'a dessiné à partir de 1947. Il y a eu Gigé avant, Joseph Gillin. Et il y a Johan qui a repris le flambeau depuis 2009. Oui, il y en a eu beaucoup, hein, entre les deux. Hein. Les aventures de Spirou et Fantasio. 75 ans, Spirou, vous rendez compte un peu. Il ne les fait pas. Hein. Vous avez dû lire Spirou quand vous étiez enfant, Olivier. Il n'a jamais été enfant, lui. Jamais, oui. Comme dit l'ex-dame. Non, j'ai lu ça. Ouais. Ah ben ouais, c'est sympa Spirou quand même. Ouais, super. Ça fait pas moi, de mal, je me souviens, j'avais le droit. Bah, c'était vraiment l'hebdo que j'achetais quand j'étais enfant. J'avais le droit à mes 2,50 francs de prêt pour aller acheter Spirou. Mais ça existe encore, Spirou Magazine. Hein. C'était 2,50 francs, je m'en souviens très très bien du prix. Ouais. C'était toutes les semaines ? Oui, toutes les semaines. T'étais gâté quand même. Hein. Il y avait des belles BD dans Spirou. Il y avait les Schtroumpfs, il y avait Big Danny. Il y avait tout, il y avait Gaston Lagaffe. Il y avait surtout Blondin et Cirage, dont j'ai retrouvé une publicité. Ils annonçaient la semaine prochaine, vous aurez une grande aventure surprise avec un gentil négrillon. Les aventures de Blondin et Cirage. Il y avait aussi un gentil négrillon. L'oncle Sam aussi. Il y avait les histoires de l'oncle Sam. Yoko Tsuno. Yoko Tsuno. La chinoise de l'espace. Et il y avait Natacha Hôtesse de l'air aussi. Oncle Paul. Les histoires de l'oncle Paul. Et Yoko Tsuno aussi. Ah, Yoko Tsuno, c'était ma préférée, moi. Elle était sexy, hein, Yoko Tsuno. Moi, je préférais Natacha Hôtesse de l'air. Elle était très sexe aussi. Elle était dans Spirou. Elle était trop blonde. Dessinée par François Valtéri. Oui, mais elle était coiffée comme ma mère, alors j'aimais bien. Ça fait un petit peu gay. Je viens de m'en rendre compte. Comme Catherine Deneuve. Vous savez d'ailleurs que c'est le dessinateur de Yoko Tsuno, Roger Leloup, qui a dessiné la fusée dans Tintin. Ah oui ? Ouais. Il était assistant d'Hergé sur ce bande dessinée. Elle est très belle, la fusée de Tintin. Elle est carreau. Tout ce que vous dites est équivoque maintenant. Mais non, Beaugrand. C'est vrai, hein. N'importe qui d'autre dirait ça. Bon. J'ai rien dit. Mais toi, tu ne peux pas. Non, mais en tout cas, c'est formidable. Spirou, on adore. Voilà. Il y avait Zorglub, le méchant. Dimanche prochain, l'Autriche va organiser un référendum. Un référendum sur quoi ? C'est pas sur le mariage pour tous. Non. Est-ce que c'est sur une. Ça concerne la vie quotidienne ? Pas tout à fait, non, non. C'est sur le maintien la suppression de quelque chose. C'est politique. C'est politique, oui. Tout référendum est plus ou moins politique. C'est historique. Historique, ce serait historique si c'était supprimé en Autriche. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est déjà supprimé chez nous ? Oui. Est-ce que c'est financier ? Non. Ah, bah c'est pour faire des économies, oui. Mais est-ce que les gens sont contents de ça ? Ah bah, on le saura à la fin du référendum. Voyez, Christine Bravo. Non, mais c'est le principe du référendum. Ah, bah, on leur propose parce que si on le savait déjà, on n'aurait pas besoin de référendum. On leur propose. Okay, ça rapport à l'heure d'été, des choses comme ça ? Non. On leur propose de supprimer une aide ? Non. Ça rapport avec le tabac, Laurent ? Non plus. Est-ce que c'est Il y a un petit rapport, lointain rapport avec le tabac. Le shit. Je vais vous mettre sur une mauvaise piste. La vente de drogue ? Non.
La publicité pour l'alcool. Non. Qu'est-ce qui a déjà été supprimé chez nous et dans de nombreux pays d'Europe d'ailleurs? Mais récemment, qui existe encore en Autriche et dimanche prochain, il y aura un référendum pour savoir si on doit supprimer ça aussi en Autriche. Ça fait beaucoup de bruit quand on l'a supprimé en France. Oh, ça a été quand même l'objet de pas mal de discussions, de débats, de polémiques. Bah, c'est le travail alors. Non. C'était il y a longtemps. C'était sous Jacques Chirac. Le service militaire. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et Olivier de Kersauzon. Le service militaire existe encore en Autriche, mais ça coûte cher. Il faut réduire les dépenses. Chaque année, près de 30 000 Autrichiens prennent le chemin d'une caserne. Et il y aura un référendum dimanche prochain pour savoir si oui ou non on va supprimer justement ce qu'on appelle la conscription. Hein. C'est bien ça, Yann Moix. Voilà. C'est vrai que le rapport avec le tabac est très éloigné. Ben oui, parce que on peut fumer à l'armée. On distribuait avant des troupes. Chaque militaire des paquets de Gauloises. Des troupes. Ouais. Voilà. Donc le rapport est lointain. Mais bah, oui, c'est vrai que ça se discute. Est-ce qu'on a bien fait de supprimer le service militaire? En fait, oui, dans l'état où il était, oui. Parce que on aurait pu penser que c'était un rapprochement social, mais c'était faux, en fait. Les plus nantis, les plus diplômés arrivaient toujours à aller dans les dom-toms ou à être au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des Armées. Et les moins bien lotis se retrouvaient entre eux, donc ça ne servait plus à rien. C'est pas vrai. Tu avais les périodes de classe ou de préparation où tu passais 3-4 mois avec tout l'ensemble de... Moi, j'ai formé, j'étais aspirant. Dans l'esprit de Valmy. Moi, j'étais quartier maître, donc j'ai vécu avec des gens normaux. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de mélange social. Moi, je me suis fait réformer, en tout cas, à l'arrache. Moi, j'ai fait il y a 40 ans, c'était bien. Non, mais il y a 20 ans, il n'y a pas de mélange social. Où ? À Marine. C'est l'esprit de Valmy, c'est aussi l'esprit de la République. Donc, toi, t'es pour les chasseurs et les militaires, quoi. Je suis pour les chasseurs, pour les militaires. J'ai un peu contre les gonzesses. Et un peu de sympathie pour les coconnes. C'est pour ça que je te souris. Et vous avez fait l'armée, vous, Beaugrand? Ah non, moi je me suis fait réformer, j'ai tout fait pour. Mais ça existait encore. C'était la dernière année avant. Que ce soit supprimé. Après, ils ont soldé. Il fallait être né en 78 pour être réformé. J'étais né en 60, enfin pour ne plus faire l'armée, j'étais né en 77, donc c'était la dernière année. Donc ils réformaient un peu plus facilement. Mais enfin, j'ai fait J'ai fait le dépressif auprès du psy. J'ai pas dormi pendant deux jours avant. J'ai bu café sur café. J'étais comme ça. T'es con, t'aurais chanté Candy, c'était bon. Hein. Qu'est-ce que les Américains reprochent à Jack Lew qu'il va peut-être devoir changer? Jack Lew? Oui, Jack Lew. Est-ce qu'il est américain lui-même? Oui, il est américain lui-même, c'est une bonne question, Christine. Son nom, précision nécessaire et utile. Ça s'écrit comment, ce Lew? Jack, J-A-C-G. Oui, ça, Jack, ça va. Et même d'ailleurs, c'est un diminutif parce que son vrai prénom est Jacob. Et Lew, c'est L-E-W. Et d'ailleurs, faites bien de demander exactement comment ça s'écrit, parce que finalement, c'est assez important. Ah, je crois que ça a un rapport avec Barack Obama. Oui, qui a mis les O. Il y a quatre O. Oui, il a signé. C'est un mec qui a une signature dégueulasse. C'est le mec qui a la signature sur les billets de banque, c'est illisible. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Bravo, Jack Lew vient d'être nommé au Trésor, nouveau secrétaire américain du Trésor par Barack Obama. Et c'est sa signature qu'on va trouver sur les billets américains. Sauf que sa signature... Ah ouais, à ce point-là? Alors je vais vous la montrer. Sa signature, c'est une... Ça 6-0 qui se suivent et s'entraînent. Oui, voilà, c'est des boucles qui se suivent. Et donc les Américains disent, on ne va pas avoir ça sur nos billets quand même. Et il lui demande de changer sa signature à Jack Lew. Bravo, vous saviez ça? C'est pas possible, c'est une signature. On dirait que c'est toi qui l'as fait avec le crayon. C'est un ressort, regarde, en fait. Ouais. C'est comme un ressort. On dirait une queue en tire-bouchon. Vous, votre signature est jolie, Olivier de Kersauzon? Magnifique. Ouais, parce que j'imagine, quand on s'appelle de Kersauzon, on doit quand même faire une belle signature. Il y a quatre lapins qui enculent un petit chat dans le coin. C'est des signatures de Franquin, justement. Il y a deux pendus, un alligator, une machine à laver. Non, c'est fleuri. Non, mais, il confie le trésor à se détraquer. D'abord, est-ce que vous avez deux signatures comme moi et comme certains artistes? C'est-à-dire que moi, j'ai la signature, évidemment, que je donne quand on me demande un autographe ou une photo dédicacée. Et la signature d'échec qui est... Il y en a une lisible et une illisible, généralement. Ah non, mais elle est très différente. C'est même pas qu'elle soit lisible ou illisible. Ouais. Moi, ma signature sur l'échec, elle est totalement illisible. Quand j'écris un autographe, je signe mon nom en entier. Vous pouvez me signer quelque chose, Olivier? Un chèque, par exemple? De Kersauzon. Je suis sûr qu'il a une belle signature, Kersauzon. Chez les nobles, on fait ça très très bien. Chez les nobles. Chez les nobles, on fait ça. Tu as fait une signature pour mec du tiers état, tu veux que tu arrives à lire, non? C'est une croix, non?
Non, mais ça, c'est pas votre signature, si, ça. Si, si. Mais non, vous m'avez fait, je sais pas quoi. C'est un paraphe, ça. C'est un paraphe. Voilà, non, un... je signe comme ça. Ah bon? Ouais. C'est bon à savoir. Je garde. Fais des chèques comme ça, si tu veux. Et alors? Ça marche. Et vachement imitable, ces trois bâtons. Et toi, c'est quoi ta signature? Vous voulez que je vous montre la vraie? Ah, oui. Ah ouais, la vraie, hein, la vraie. Celle alors. Du chèque, tu vois. Celle des chèques, celle des chèques, quoi. Celle. Voilà. Oh là là, oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, je comprends que t'en aies une fausse. On dirait une espèce de. Alors, on dirait une crêpe. Ouais. Alors que quand je signe voilà, un autographe. Ah bah voilà, c'est ce que je dis, lisible et pas lisible. Stéphane voilà. Bern. Voilà. Voilà. C'est malin. On a évidemment deux signatures. Non mais les gens ne savent pas toujours, c'est vrai. Ah voilà, bah maintenant ils savent. 10 euros. Ça va être sur eBay. La salope, elle a voulu me prendre ma signature. Ah non, non. Attention, dimanche, il va y avoir beaucoup de monde sur l'île du Giglio en Toscane. Oh là là. Pour quelle raison ? Il y a une fête. À cause du bateau. Une commémoration. La commémoration de du l'accident. Costa Concordia. Ouais, ouais, ouais. Bonne réponse de Guy Carlier. Mais moi, je disais une fête, c'est peut-être pas le mot. Eh oui, oui, les familles des victimes, pas toutes, ouais. Mais une bonne partie, vont se rendre sur l'île du Giglio en Toscane, un an après, ça fait déjà un an que ouais. Ce magnifique capitaine italien qui a bien visé. Qui s'est barré en plus. Il est tombé, il n'a pas fait exprès, il est tombé dans une chaloupe. Mais il y avait hier. Mais c'est le Rital dans toute son horreur, tu vois. Le mec, il y a 5000 mecs en panique dans son bateau, lui, il tombe par hasard dans la chaloupe. Qui s'en va ? Mais il n'a pas fait exprès, il est tombé dans la chaloupe. Il faisait très noir, mais il n'a pas fait exprès. Il a trébuché dans la chaloupe. Il était portugais ? Un peu espagnol, là, ton italien. Il s'est barré, mais tu le crois, ça ? C'est pas drôle. Le mec, il s'est barré. On a eu hier, moi, j'ai vu des témoignages de familles de rescapés qui disent être encore marqués par les scènes. Tu m'étonnes. C'est Titanic. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui racontait quand même hier qu'à un moment donné... Il y avait, paraît-il, 5-6 mecs de 30-40 ans qui auraient été capables de nager, qui étaient dans une chaloupe. Non, oui, pas une chaloupe, mais un canot de sauvetage. Un canot de sauvetage, voilà. C'est une chaloupe. Oui, mais je voulais être plus précis. C'est là qu'il y avait des femmes et des enfants qui voulaient monter à bord. Ben, il est repoussait pour pas prendre la place. Mais oui, c'est-à-dire que les gens ont vu ça quand même, vivre oui, ça, ça doit être assez. C'est comment ça, c'est tout le temps comme ça? Bah ouais, c'est les mecs, ils marchent sur les bonnes femmes, c'est ce qui se passe. Tant qu'à faire. C'est l'horreur, c'est vivre j'ai l'horreur. J'ai des potes, il y a pas longtemps, non, mais vous allez encore dire que c'est Pipo Bimbo, mais non, non, vous vous souvenez non. L'avion qui s'est, il y a eu un problème avec un avion d'Iberia en France d'ailleurs, il a émis les gaz, il a puis il y a eu de la fumée dans le cockpit. Et donc sur la piste à Roissy, il s'est arrêté et les tu vois ils ont tout de suite sorti les toboggans et les mecs marchaient sur les femmes et sur les enfants pour arriver. C'est moelleux comme sur le pied. C'est vrai que c'est plus c'est mou quoi. Les bonnes femmes c'est toujours un peu dodu, tu te fais pas mal au pied, tu risques de te tordre la cheville, c'est tout. Mais pour un toboggan quand même les gens se marchent pas dessus pour descendre. C'est horrible. Et les mecs effectivement les plus forts et les plus c'est la préservation de l'espèce. Faut cerveau les plus forts, c'est pas la peine que tous les gringalets se reproduisent. Donc c'est vrai, c'est un en cas d'accident animal. Faut sauver les bons gros solides. C'est pas la peine de sauver les cabochons. C'est exactement ça. Mais remarquez, vous avez raison parce qu'il y a pas besoin de toboggan et d'accident. Il suffit même quand l'avion se pose, les gens sont déjà prêts à se marcher dessus pour descendre de l'avion. Ouais. C'est vrai. Quand vous voyez à peine, on a le droit d'enlever ses ceintures que tout le monde est debout debout mais plié en deux à cause des coffres à bagages. Et prêt à piquer une place pour gagner 3 secondes et être sorti avant l'autre. C'est de la connerie humaine, mais incroyable. Le genre humain est particulier quand même. Mais même avant qu'ils prennent l'avion, t'es dans l'aéroport. L'avion est affiché à 17h20. Je te jure, à l'embarquement, à 17h10, ils sont tous debout, ils font la queue. Ça t'énerve pas. Alors qu'il y a ton billet numéroté. Billet avec un numéro. Moi, un jour, j'étais dans un avion où il a commencé à y avoir de la fumée comme ça. Mais ils ont été vachement organisés. Tu vois, le crew, le personnel était vraiment calme et tout. Ils ont mis les toboggans. Et puis, bon, tu vois, on dit, vous êtes un peu. Mais ils m'ont mis devant, tu vois. Toi ? Ouais, mais j'ai bloqué le truc, ils ont tous cramé dedans.
Ouais, c'est ça. Vous faites du Christine Bravo. Non. J'ai toujours peur qu'il y ait le toboggan et de le bloquer. C'est un truc, une angoisse que j'ai. Non, c'est comme les ascenseurs. T'as qu'à passer par le hublot. Non, mais tu sais, en fait, c'était crédible. C'était crédible jusqu'à ce que tu dises ils ont tous cramé derrière. Là, c'était trop, tu vois. C'était un peu trop. T'aurais pu dire bon, ils ont fini par me pousser, je suis passé. Sur un bateau, c'est pareil, Olivier, en cas de naufrage. Il y a une solidarité entre les marins ou pas? C'est l'avantage des transats en solitaire. S'ils ne sont pas trop nombreux, oui, à mon avis, c'est. Quand les gens se connaissent, c'est plus difficile d'être vraiment sordide. Quand les gens ne se connaissent pas, mon avis. On s'en fout. La nature humaine étant complètement infecte et ça j'en suis persuadé. Donc, je pense que les naufrages comme le bateau italien, là, c'est le Concordia. Les gens, ils sont capables de tout. Mais de tout. Surtout que les mecs qui étaient dans le canot, ils pouvaient aller à la nage parce que c'était pas très loin. Oui. Exactement. Bah oui, mais c'est ça qui est atroce. La mère et sa petite, elles pouvaient aller se baigner aussi. Il faut que les personnes. Quelle horreur. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1. On va se gêner. Encore une heure avec Guy Carlier, Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Yann Moix, Christophe Beaugrand et Isabelle Motreau. Bonjour Linda, bonjour Ludo. Bonjour. Linda est à Alfortville, Ludo est à Nîmes. Que faites-vous dans la vie, Linda? Alors, je suis dans le secteur financier, oui. Et je suis gestionnaire client SCPI. Voilà. Ça a l'air bien sérieux cette affaire-là, dis donc, oui, Linda, non? Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je ne le prends pas trop au sérieux, en fait. Un petit coucou à faire passer, vous voulez profiter de l'antenne de repas, je sais pas, vous avez peut-être une voiture à vendre, une machine à laver à recaser. Une belle-mère éventuellement à recaser aussi. Non, j'en ai pas encore de belle-mère, donc... Ah, donc vous cherchez un mec en fait, c'est ça? Ouais, par contre, ouais. Ah, bah voilà. Elle a l'air bien marrante, mais Linda, oui, elle est euphorique. Pour l'inspecteur financier. Elle est euphorique, mais qu'elle en profite. Parce qu'elle va devoir affronter Ludo, et Ludo, il ne s'en laisse pas compter, n'est-ce pas Ludo? Oui, bonjour à tout le monde. Eh ben bonjour, oui, bonjour, Ludo. Bonjour Ludo, vous êtes à Nîmes vous? Eh oui. Eh oui, vous faites quoi vous? Moi je suis commerçant. Commerçant. Dans le jeu vidéo. Ah, racontez, il y a des nouveautés là qui sont sorties? Alors moi je fais surtout de l'occasion. Surtout de l'occasion. Ah, et des, c'est moins bien. Il y a des vieilleries qui sont sorties en des fait. Voilà, il y a des vieilleries qui sont rentrées là. C'est marrant de s'appeler Ludo et de vendre des jeux. Des jeux, ouais. Bah, ça, joli. On me l'a sorti depuis 20 ans ça. Ah bah oui, pardon. Bah excuse-nous, c'est la première fois qu'on. Ok, mais moi c'est la première fois que je vous parle, connard. Ah là, tu lui as mis dans la gueule. Hein. Bon, on va s'arranger pour le faire perdre, celui-là. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre avec vos amis, votre famille, dans un appartement d'exception, une semaine pour 4 personnes. Écoutez bien. Oh, c'est formidable. Pour 4 personnes au cœur de la Haute Tarentaise. La Rosière vous attend, hein, une station de ski familiale. Qui vous proposera... Effectivement, un domaine skiable international, l'espace San Bernardo, enneigement garanti à La Rosière. Eh oui. Larosière.net, c'est le site internet qui vous en dira plus sur la discothèque, le bowling, la patinoire. Et peut-être même un beau moniteur pour vous, Linda. Ah oui, elle est contente. Hein. Le petit Zachary va avoir certainement un petit frère ou une petite sœur. Mais qui est le petit Zachary ? Linda, Ludo. Alors dépêchez-vous parce qu'elle connaît visiblement Isabelle. Il y a un enfant de 17 ans atteint d'un cancer. Non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. C'est du tout. Pas très joyeux, ça, ce que vous me racontez si là. Isabelle Motreau, j'ai même si envie de dire, c'est pas très gay. Oh non, ah, ça c'est pas sympa. Ah là, c'est un indice. Ah alors, j'ai une petite. Alors là, je commence à avoir une idée. C'est pas un petit pain en forme rectangulaire, non. Non, c'est un vrai enfant. Est-ce que le papa a une légère surcharge pondérale? Oui, oui, oui. Oui. Je vois. Est-ce qu'il est un petit peu pédé? Un petit peu pédé. Est-ce qu'il a une perruque? Oui. Est-ce qu'il chante? Alors, allez-y, donnez. Réponse Isabelle. Alors c'est le fils de Elton John et David Furnish qui voilà. Va avoir un petit frère. Le petit Zachary, le fils d'Elton John et son compagnon, voilà. Va avoir un petit frère ou une petite sœur. Les deux papas ont annoncé cette nouvelle. Alors, eux, ils font ce qu'on appelle la GPA. Gestation pour autrui. La gestation pour autrui. Il y a parce qu'il y a une mère porteuse. Si les deux portent, alors. Mais non. Ah bah, Elton John, il y a la place. Ils ont une mère porteuse. Ils ont une mère porteuse. À part la perruque, qui porte pas grand-chose. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. C'était trouvable, Linda et Ludo, quand même. On vous a aidé. Bah, si c'était trouvable, Ludo, il proteste, Ludo. Non, on vous a aidé. Non, vous a aidé, j'ai pas trouvé, donc c'était pas trouvable. Bah, après, c'est dans les journaux. On l'a déjà faite il y a 15 ans, celle-là. C'est dans les journaux, franchement. Zachary était né le jour de Noël en 2010.
Et c'est une femme qui vit en Californie et que le couple considère comme leur sœur, qui avait porté le petit Zachary. Et à mon avis, ils vont prendre la même mère porteuse pour le petit frère ou la petite sœur. Voilà. Non, c'était quand même, franchement, c'était à la portée, j'allais dire de toutes les bourses, pas tout à fait, mais Linda et Ludo, c'était à la portée de nos auditeurs quand même. C'est pas grave, on aura le plaisir de passer à l'antenne au moins. Ah, ben bah voilà. Ben ça, alors, vous voyez, j'aime cet esprit-là. On vous embrasse, Linda. L'esprit de Coubertin, Linda. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier ? Bah, Coubertin. J'en ai entendu des conneries en fin d'année, en début d'année. Non, l'esprit de Coubertin. J'adore, Laurent. C'est... T'es enceinte, là, non ? Je suis sur le prochain projet d'Elton John. C'est perdu, en tout cas. Merci d'avoir participé, comme disait justement Pierre de Coubertin, Linda et Ludo. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Michael Christie publie Le Jardin du Mendiant chez Albin Michel. Un premier livre exceptionnel, tour à tour drôle, mélancolique, étrange et authentique. C'est en tout cas ce qu'écrit The National Post, puisque c'est un livre traduit de l'anglais, mais qui nous vient du Canada, de la partie anglophone du Canada. Cet écrivain Michael Christie a donc été traduit en France par Nathalie Bru pour Albin Michel. Que vaut ce livre, Le Jardin du Mendiant, que nous avons confié à Carlier, à Beaugrand, à Yann Moix et à Christine Bravo. J'ai envie de commencer par Guy Carlier. Il faut dire tout de suite que c'est un livre de nouvelles. Donc moi, j'ai déjà un petit... N'aimez pas les nouvelles. Non, j'aime. Je trouve que, vous savez, il y a une chanson d'Alain Souchon qui dit « Comme dans une nouvelle pour dame » de Somerset Maugham. Je trouve que c'est un peu féminin, les nouvelles. Et c'est alors, un peu comme les courts-métrages. Féminin, peut-être. Non, non, mais c'est comme les courts-métrages au cinéma. Non, mais bon, c'est comme ça. Il a raison. C'est une question de goût. C'est pas féminin. Ceci dit, pour moi, quand c'est court, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ceci dit, comme l'amour. Eh ben oui, mais ceci dit, c'est pas mal écrit. Je me suis fait piéger par deux des nouvelles qui m'ont. Pas beaucoup. Fait, non, c'est les seules que j'ai lues. Non, sans blague. La dernière, notamment, qui s'appelle Le Jardin du Mendiant, dont l'idée est bonne. Le titre du livre. Et, ouais. Et le, donne le titre au livre. Et la première, génial, qui la raconte première. L'histoire. Tu l'as ouais. lu bah, j'en ai lu que trois, j'avoue. Mais la première, c'est une femme qui appelle les services d'urgence, comme on Maya, dit. Maya, elle s'appelle. Ouais. Pour retrouver un infirmier dont elle est tombée amoureuse un jour par hasard. Donc elle espère qu'à chaque fois, le SAMU, enfin dans l'équipe qui arrivera cet infirmier. Donc elle s'invente des crises cardiaques. Elle s'invente des fausses maladies, etc. Et puis la dernière, Le Jardin du Mendiant, dont je pense Yann Moix vous parlera davantage, parce qu'on en a parlé ce matin, mais qui est une idée géniale d'un homme qui décide de prendre un mendiant et d'organiser comme un trader... sa mendicité, c'est-à-dire qu'il place une partie de l'argent qu'il gagne, etc. Enfin, il le gère. Mais ce qui est pour moi le plus beau dans cette dernière nouvelle, c'est que cet homme a été quitté par sa femme et c'est il y a là des beaux moments, me semble-t-il, de littérature. C'est bien écrit, c'est sympa. Bon, c'est pas mal. Donc. Bon, c'est pour moi pas mal. Alors je vous répète, j'avais des préjugés sur les formes de la nouvelle. Beaugrand. Donc voilà, moi je les ai pas toutes lues. Il y en a une qui m'a vraiment pas accroché. Il y en a 9 pourtant. Voilà. Il y en a 9. Oui, mais j'avais beaucoup de travail cette semaine. Bon. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est vrai que... Elles sont longues, parce qu'il y a quand même 300 pages dans le bouquin. Oui. Moi, justement, c'est l'inverse de Guy. À partir du moment où ce sont des nouvelles, d'emblée, je trouve ça plus facile à lire parce qu'on n'a pas toujours un temps dément. Et là, on sait que pour lire une histoire entière... Non, mais c'est vrai. On peut piocher. Voilà, on peut piocher. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Mais en fait, c'est une série de personnages qui sont totalement barrés, qui sont ou seuls. Il y a une autre nouvelle qui est très jolie sur un mec qui achète un chien parce qu'il est tout seul. Il parle à personne à part à son meilleur ami. Et il achète un chien qui devient une espèce de cauchemar dans sa vie, qui bouffe tout dans l'appartement. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, bien écrit, un côté un peu cruel et ironique. Mais moi, celle qui s'invente des maladies pour se faire draguer Maya, par des secouristes, ouais. C'est Christine en fait. Moi j'ai pensé à toi, dès que j'ai lu le truc, j'ai pensé à toi tout d'abord. De suite. Je suis pas du tout hypochondriaque. T'es vraiment malade. Et justement, j'ai pas du tout aimé cette nouvelle là. Ah ouais. Ah, moi j'ai adoré ça vraiment. Mais les autres alors, le jardin du mendiant. Ouais, c'est à mon avis la meilleure. Moi, je suis un peu gênée par le style et j'aime pas les répétitions, j'aime pas les adverbes. Je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est étonnant d'ailleurs pour un anglo-saxon parce qu'en général, ils ont pas une écriture comme ça. Moi, j'ai souligné par exemple la page 54 dans une nouvelle qui s'appelle Rebut. Le lendemain matin.
Earl passa la journée. Le jour suivant, il passa ainsi la journée. En une semaine, il avait appris que son petit-fils parcourait exactement le même trajet à la même heure tous les jours, 7 jours sur 7. Quelle heure de la journée, la page d'après? Une vingtaine de kilomètres par jour et à la première journée de pluie suivante. Et donc, c'est moi, bien, ça vous fait un calendrier. Je me suis un peu... arrêtez à ça. Hein. Après, vous avez aussi... L'écriture. Il enfermait le petit dans sa chambre. L'unique plaisir du petit, c'est un bon petit la plupart du temps. Et ça m'a vrillé le plaisir de lire. Le plaisir de lire. Et après, j'ai entendu Yann m'en parler. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû m'accrocher autant... À la forme. À la forme. Isabelle Motreau. Oui, moi, la forme ne m'a pas arrêtée, justement. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, curieusement, parce qu'effectivement, il y a peut-être des redites, mais ça ne m'a pas frappée. Moi non plus, ça ne m'a pas frappée. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est une écriture assez subtile, en fait, et qui permet de s'attacher vraiment au personnage. Pour moi, la force de ces nouvelles, ce sont les personnages qui sont toujours entre la nostalgie et l'humour. Il y a beaucoup de tendresse et d'humour dans cette galerie de personnages, et puis c'est vrai que ce sont des belles situations aussi. C'est pas un livre très gay, mais c'est très... Oui, mais c'est pas vraiment touchant. C'est pas vraiment triste je trouve qu'il y a vachement d'amour derrière. Ça fait l'effet de quelqu'un qu'on aime bien et qui est pas en forme. Voyez. Le Jardin du Mendiant, des nouvelles, 9 nouvelles signées Michael Christie, publiées par Albin Michel. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Moix? Moi, généralement, je déteste les nouvelles. Je préfère un livre de 1000 pages qu'une nouvelle de 3 lignes. Ce que je déteste dans les nouvelles, c'est que ça raconte des histoires. Et moi, dès qu'un livre raconte une histoire, j'aime pas. Proust, j'adore parce que c'est toujours des digressions. J'adore Céline parce que ça commence jamais. J'adore toujours ce qui empêche. Et j'adore aussi San Antonio, Guy, parce que San Antonio ne raconte jamais d'histoire. On s'en fiche complètement. Comme Simenon ne raconte jamais d'histoire. Donc, je déteste les nouvelles pour cette raison. Là, le problème, c'est que le livre est excellent, mais il est très, très mal traduit. La traduction est une catastrophe absolue. Par exemple, à un moment donné, il y a une expression qui est fondamentalement parlant. Je n'ai jamais entendu depuis 1968 que je suis sur Terre l'expression fondamentalement parlant. Je pense que la traduction est épouvantable et que les répétitions, le mot petit en anglais, ça ne doit pas être ça. Non. Et les répétitions, ça ne me dérange pas, mais je crois que c'est très mal traduit. Bien, bref. Ce qui me dérange un peu contente, parfois. Contente Nathalie Bruck, je l'ai citée dans les nouvelles. À c'est ça, t'as bien fait de la citer. Dans les nouvelles américaines. J'aurais oublié le nom là, tu nous l'armais bien. C'est vraiment sympa. Dans les nouvelles, parce qu'il y a tous les éditeurs de Paris qui se disaient, putain, j'ai oublié le nom de celle qu'il faut pas prendre. Il y a un petit truc agaçant dans les nouvelles qui nous viennent du Canada, des États-Unis en général, c'est le côté un peu Salinger. C'est-à-dire, oui, j'ai dit, oui, il a fait. Ouais. Salinger a fait beaucoup de mal aux nouvellistes, et là, on retrouve un petit peu ce défaut. Mais il y a quand même des expressions extraordinaires. Par exemple, pour un début de dépression, le type va dire une bourrasque de fatigue glacée. C'est fabuleux, quoi, une bourrasque de fatigue glacée. Et il y a un passage que je trouve absolument génial sur le malentendu qui consiste à rencontrer quelqu'un et former un couple avec pendant des années, et aussi le mensonge qui repose sur chaque rencontre et sa déliquescence. Et je vais vous le lire, c'est très court et je trouve ça fabuleux. Ils étaient mariés depuis 11 ans. Non sans regret, Sam avait fini par conclure qu'ils appartenaient à une espèce déplaisante d'individus. C'est là qu'il y a le fondamentalement parlant. Et il s'était résigné à faire avec. Au fil des ans, Sam et Anna avaient laissé sortir de l'ombre ces traits de caractère qu'ils avaient mis tant de zèle à dissimuler, à grand renfort d'autopromotion mensongère, lors de ses premiers rendez-vous si décisifs. Elle était en fait despotique et anxieuse et lui trop critique et distant. Et là, il y a le coup de génie. Il y avait des choses conçues d'abord pour éblouir, puis pour se détacher et retomber tels les réservoirs de carburant des navettes spatiales. Et ça, vous voyez, quand on tombe sur des passages comme ça, où le couple est décrit, où le cynisme parfois en quelques lignes, c'est vraiment bien. Le Jardin du Mendiant. Et donc je le conseille, c'est un des meilleurs livres qu'on a eu cette année quand même. Ouais, la séduction traduite en autopromotion mensongère, c'est magnifique. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, l'ensemble, on va dire, à part les adverbes et les répétitions de Christine Bravo. Donc, il faut le lire en VO, en fait. Voilà, c'est ça, dans l'idéal. Si on peut lire en anglais directement, je pense que c'est mieux. Si vous lisez l'anglais, pourquoi pas. Le Jardin du Mendiant, c'est chez Albin Michel, en français. En tout cas, dans un instant, Monique Pantel pour parler cinéma. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pompon. Bonjour Monique Pantel, comment ça va? Oh ben ça va, je suis ravie de vous revoir. Ah chérie. Mais nous aussi, bonne année Monique. Bonne année, toutes ces sortes de choses. Hein. Et oui, puisque on vous a loupé la semaine dernière, vous étiez bloqué à La Réunion? Mais non, pas du tout, à l'île Maurice. À l'île Maurice, ah. J'en fais semblant de croire qu'il y avait un cyclone. En fait, il rôdait autour de l'île Maurice. Bon, mais vous êtes revenu et vous avez eu le temps d'aller au cinéma. Vous avez vu par exemple Une histoire d'amour, le film d'Hélène Filière avec Laetitia Casta et Benoît Poulvorde. Oui, j'en suis pas plus fière que tout ça. C'est inspiré d'un fait divers crapoteux. Un milliardaire en latex se fait descendre par sa maîtresse en rogne.
On s'en souvient, c'était en Suisse. Ce film est aussi bondant qu'un vieux parapluie. La faute a pas de chance et à la mollesse du scénario. Les acteurs, Paul Vord et Casta font de leur mieux, ça va pas chercher loin. Hein. Mais c'est un film européen. Eh oui, alors, c'est pas moi qui dis. Si vous pouviez faire un effort... La prochaine fois, je vous jure que je le trouverai génial, le film européen. Isabelle Motreau. Non, alors je ne vais pas faire d'efforts non plus, hélas, parce que c'est difficile de faire un effort là. C'est un film sur les rapports sadomaso, il n'y a pas plus froid que ce film, quoi. Et c'est dommage parce que justement c'est assez fascinant. Ça, là, on va jusqu'à la mort hein, quand même. Et oui, on s'en souvient. Donc c'est assez fascinant de se dire, mais comment on peut plonger dans une histoire comme ça, bon. Et là, on reste en dehors. Il y a eu tellement de bons films européens en 2012 qu'il y en aura d'autres en 2013. Passons à The Master, le film de Paul Thomas Anderson avec Joaquin Phoenix et Philippe Seymour Hoffman. Alors j'avais peur que The Master m'assomme. Il m'a passionné. Il est extrêmement bien filmé et remarquablement bien joué par Phoenix et Hoffman, que je suivrai jusqu'à l'enfer s'il me le demandait. Ah oui. Oh, c'est formidable. C'est dans les années 50, Phoenix revient de la guerre du Pacifique. Il est imprégné jusqu'à l'âme des horreurs guerrières. Il picole, il se calme, il s'emmerde. Il a des crises de nerfs et des bleus dans la tête. Et il rencontre Hoffman, qui dirige, on peut dire, une secte, et qui essaie de l'entraîner dans sa secte. Il est sournois, il est menteur, il est habile, comme tous les gens qui font des sectes, et c'est formidable. On pense évidemment à la scientologie beaucoup dans ces cas-là. Isabelle Motreau. Alors non, moi je suis pas entrée du tout dans ce film. C'est esthétiquement très beau, il y a des grandes envolées lyriques, des grandes scènes comme ça, auxquelles on pense en fait que Paul Thomas Anderson s'est dit, je fais un chef-d'œuvre, là je suis en train de faire le prochain Oscar. Et moi j'avoue que je me suis beaucoup ennuyée, quoi. Alors Philippe Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix sont formidables, mais le problème c'est que voilà, c'est pas avec que des bons acteurs qu'on fait un film, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est un très bon film. C'est le meilleur de la semaine et de très loin. Elles ne sont pas d'accord. Passons à une comédie française qui s'appelle Un prince presque charmant avec Vincent Pérez et Vaina Gioconte. Eh ben, c'est un film presque nul. Oh. Vincent Pérez... Je l'ai vu, moi, c'est plutôt charmant. Ah ben, moi, c'est à moi que vous demandez. D'accord, mais je vous le dis quand même. Alors, Vincent Pérez... Tu vois, je te le dis quand même. Je t'aime. Il joue un sale con qui, tout d'un coup, après le film, à la fin du film, il devient très bien. Oui, il est sur les chemins de la rédemption. Il est transformé par une jolie jeune femme, mais surtout par la voiture électrique qu'il vient de s'acheter. C'est très concessionnaire. Oui, c'est vrai que c'est la... Comment il s'appelle ? La Zoé. Ah oui, il y a une pub pour la bagnole. Dingue dans ce film. C'est vrai que du début à la fin, il conduit une voiture. On voit très bien de quelle voiture il s'agit. Il y a même un dialogue à un moment donné sur cette voiture électrique puisqu'ils sont en panne, non pas d'essence, mais il faut aller recharger la voiture. Parce c'est un road movie en voiture électrique. Voilà, c'est en pleine période de grève et il doit descendre au mariage de sa fille et il emmène dans la voiture une sorte d'autostoppeuse qui, par hasard, bon ça c'est un peu abracadabrotesque le scénario, mais par hasard se trouve être une jeune femme qui le recherche lui, mais elle ne sait pas physiquement qui il est. Elle le recherche lui parce qu'il a viré son père, joué par Jacques Weber, et elle veut se venger. Bon, voilà, en gros, hein, c'est un peu ça l'histoire. Et finalement, ils vont tomber amoureux, ça va être beau. Et ils tombent amoureux, évidemment. Bon. Et très beau, et très con. Alors, c'est vrai. Très con, quand même. Là, tu vas avoir du mal à nous convaincre. Non, mais je trouve que c'est dans le genre... Franchement, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Non, mais c'est cousu de fil blanc. C'est-à-dire que tu sais tout ce qui va se passer du début à la fin. Mais en revanche, ce qui m'amuse, c'est que c'est Renault, j'imagine, qui fait Zoé, la voiture Zoé, la voiture électrique. Renault, ils ont dépensé, j'imagine, pas mal d'argent pour placer cette voiture Zoé. Ils ont dû payer une partie du film produit par Luc Besson. Mais écrit, le scénario écrit par Luc Besson. Mais alors. C'est une contre-pub incroyable puisque faut la recharger tout le temps, tout le long du film. Tout le long du film, il cherche des prises. Il cherche des prises. C'est vrai. Il n'arrive pas à avancer. Il faut tout le temps. Enfin, il peut faire 150 bornes et après il faut retrouver une prise. J'arrive pas à comprendre comment une marque a pu accepter un tel scénario parce que c'est à te décourager d'acheter la Zoé. C'est comme si Coca sponsorisait un film où un mec passait sa vie aux chiottes. Exactement, c'est exactement ça. Bon, enfin voilà, c'est vrai que c'est pas la comédie de l'année, mais
ça se laisse regarder en famille. Non, mais c'est joli en tout cas. C'est agréable parce que la lumière, la photo est très belle dans le film. Donc, et Vincent Pérez est très très bien. Ah oui, mais ils sont tous très très beaux. Vaina Jocante est très belle. Donc c'est agréable en même temps. On respire un peu. On s'ennuie pas. Ouais, les paysages sont très beaux. Non, mais c'est vrai. Ah oui, bon, mais on aura compris que Monique Pantel, avant tout, vous conseille The Master avec Joaquin Phoenix et Philippe Seymour Hoffman. Même si Isabelle Motreau, elle a moins aimé. Donc finalement, on n'avait pas aimé grand-chose cette semaine, Isabelle. Ah si, moi j'ai aimé deux films. Paradis Amour de Seidel qui raconte. Non, t'en parles pas de celui-là. C'est un film RTL. Qui raconte l'histoire de Teresa, une femme un peu vieillissante autrichienne qui fait du tourisme sexuel. Ah, c'est sur le tourisme au Kenya. Sexuel. Oui. Et l'autre, c'est Comme un lion, film de Samuel Collardet, sur l'histoire d'un garçon de, il a une quinzaine d'années, il est au Sénégal et il est ramassé par un recruteur véreux, quoi. Et donc il va se retrouver tout seul en France, abandonné dans un stade, et il est sans papier, il a plus rien, et il faut qu'il rembourse le prix du voyage en plus. Voilà. Comme un lion et Paradis Amour, voilà les deux petits conseils d'Isabelle Motreau. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À vos questions pour découvrir qui est notre invité d'honneur. Bonsoir à vous. Bonsoir. La voix est bien dynamique. Oh, vous avez l'air d'avoir la pêche. Bien déformée aussi. C'est parti, chers camarades, allez-y. Est-ce que vous êtes facile à trouver ? Non. Est-ce que vous êtes d'humeur joviale habituellement ? Ah ouais, tout à fait. Vous êtes un homme ? Oui. Vous êtes un ami de Laurent Ruquier parce qu'il ne se souvenait plus qui vous étiez. Pas du tout, c'est pas ça. Je ne me souvenais pas qui était invité aujourd'hui. Mais je sais très bien qui est notre invité. Et si ce n'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je crois que c'est réciproque d'ailleurs, non ? Nous avons de l'estime. Voilà. On aura la vraie version lundi. Ah non, non. Sincèrement, c'est quelqu'un. On a déjà partagé d'excellents moments ensemble. Est-ce que vous lisez beaucoup ? Pas, il n'a pas assez. Vous écrivez ? Oui. Bon, vous êtes un bon vivant ? Écoutez, oui, je crois. Bah oui, c'est un bon vivant. Est-ce que vous êtes considéré par une partie du public comme un intellectuel ? Sûrement pas, non. Ah, d'accord. Ah, oui, donc, sur l'échelle de Scheim. Donc comme un abruti, c'est ça ? Non, sur l'échelle de Scheim, il est quand même très très haut. Alors, arrêtez de dire du mal de Scheim. Je l'adore. Alors arrêtez maintenant. Est-ce que vous aimez San Antonio ? Oui. Vos idées politiques sont connues ? Non. Non plus. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui, mais c'est pas forcément mon métier. C'est pas forcément votre métier de quoi d'être reconnu dans la rue ? Ouais. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens vous reconnaissent et pourtant votre physique est pas visible souvent. Ouais. Voilà, c'est bravo. Ça c'est bien résumé, Isabelle. Vous êtes douée, Isabelle. Ce qui veut dire que le peu de fois où vous passez à la télé, vous devez marquer les esprits. Ah, c'est ça, c'est certain. Vous êtes ce qu'on appelle un bon client en télévision ? C'est ce qu'on dit maintenant, bon. Ça va. C'est pas un mauvais client, c'est pas un mauvais client. Ah oui, d'accord. Alors, vous écrivez de la fiction ou pas ? Non. Une bio, vous avez écrit ? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez... ça veut dire surtout que vous n'avez pas trouvé pour l'instant l'essentiel de l'activité de notre invité. Mais voilà, est-ce qu'il vous est arrivé de chanter ? Oh, ça, jamais ! Alors, voici un premier indice qui va orienter vos premières questions. Évidemment, vous l'avez reconnu, cette musique, invitée. Ah ben, absolument. Eh oui, absolument. Mais mes camarades, c'est loin d'être le cas, oui. C'est une musique de film. C'est une musique de film. Est-ce que c'est la musique d'un film dont vous avez pu écrire, par exemple, les dialogues ? Le scénario et la mise en scène. Vous réalisez vos films ? Entre autres, oui. Ah, c'est intéressant. C'est pour toi, Isabelle. Oui. Vous êtes grand ? Non. Petit ? Normal. Normal. Vous avez les yeux bleus ? Je suis là, je suis grand comme Carsozon. Combien de films avez-vous réalisé pour aider mes camarades un peu ? Quatre films. Ah bon. Mais sont des films qui ont marqué le public ? Je sais pas, ils m'ont marqué moi en tout cas. Ils vous ont marqué vous ? Non, mais ça va très bien marcher, mais c'est il y a longtemps. Hein. Est-ce que vous êtes connu pour un gros succès principal par exemple ? Non. Non. C'est pas
au fond, il a réalisé 4 films qui étaient plutôt des bons films. C'est pas pour autant pour ces films qu'on le connaît le plus. Voilà. Donc, ouais. Mais vous me proposez Jacques Weber. C'est pas mal, êtes-vous Jacques Weber? Ah, mais non. Claude Lelouch. Non. 4 films. Enrico ouais. Macias. Non. Ah, là. Qui a proposé Enrico Moi, Macias c'est Robert Enrico. Ah, ah ben, mais vous me marquez Enrico, moi. Oui, pardon. Bah. Mais il n'est pas mort, oui. Non, Enrico Macias est en non, très Robert bonne santé. Enrico. N'exagérons pas, pas très bonne santé, mais okay, il est en santé. Marc Esposito, c'est pas mal ça, Marc ouais. Esposito. C'est pas bête, ouais. Marc Esposito. Ouais. Mais il bravo. A fait 3 films. Êtes-vous Marc Esposito? Non, ce n'est pas Marc Esposito. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention. Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça, c'est le deuxième indice que c'est vous entendez. C'est l'ascenseur pour l'échafaud. Non, c'est pas l'ascenseur pour l'échafaud, mais c'est Miles Davis. C'est Miles Davis. Bravo. Ça ressemble. Hein. Mais c'est aussi dans un film. Ah, il faut lui demander à lui les questions. C'est dans un film. Est-ce que vous avez utilisé cette musique dans l'un de vos films? Non. Est-ce que vous aimez le jazz? Ah, oui. Pardonnez-moi, est-ce qu'on a trouvé votre activité principale, là? Non. Ça y est. Ah non, d'accord. Vous êtes comédien? Non. Ah donc, réalisateur, c'est pas votre activité principale? Alors, non. Vous êtes musicien? Non. Yann Moix a trouvé et il propose, allez-y Yann. Non, c'est pas vous. Serge Moati. Non, notre invité n'est pas Serge Moati. Est-ce que vous réalisez des documentaires aussi? Oui. Parce que Serge Moati aime le jazz, c'est ça? Non, c'est parce qu'il a pu écrire une biographie, il n'est pas connu en tant que réalisateur, il a fait des films. Mais notre invité, le jazz, c'est important dans c'est sa important. Vie. Ah, oui. Est-ce que donc vous réalisez des documentaires, demandait Christophe? Oui. Il a dit oui. Vous êtes journaliste aussi? Vous l'avez été? Oui, on peut dire une forme de journalisme. Oui. Voici un autre indice. C'est quoi une forme de journalisme? Que toi. Et Isabelle Motreau est ravie parce que ça y est, elle est la trouvé. Première. C'est assez rare pour le souligner. Bravo Isabelle, c'est ta journée. Hein. Non, faut arrêter avec ça, je trouve tout elle le temps. Elle est la première à avoir identifié notre invité. À cause de téléphone. Oui, à cause de téléphone. Grâce à téléphone. Et on n'a pas trouvé ce qu'il était. Pourtant, mais c'est l'objet, le téléphone pourtant, ou le groupe? Et pourtant, c'est du lourd. Hein, allez-y, bonne question. C'est l'objet ou le groupe? Téléphone. L'indice. Oui. Le groupe. C'est le groupe. Parce que on sait que vous aimez le rock, c'est de notoriété publique. Oui. Le jazz, le rock, on avance là quand même. Un autre indice. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Christine Bravo. L'indice, c'est les copains d'abord. Il y a plusieurs indices dans cet indice. Vous êtes dans une bande de potes connus. On peut dire ça, oui. Ouais, une vraie bande. Ça l'était, oui. Sympa. Ouais, alors... Ah, ça y est. Heureusement, Yann Moix... C'est pas lui. C'est bon. Nous propose Antoine Decaune. Non. Vous avez été directeur d'un théâtre? Non. Je vais vous aider avec l'indice suivant. Canada Dry, ça ressemble à l'alcool. C'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est pour ça que ça désaltère. Canada Dry. Alors, Canada Dry. Ça y est, je sais. Est-ce que vous avez un beau-frère célèbre? Et comment? Ça y est, elle a trouvé, Christine Bravo. J'ai compris que vous aviez trouvé. Ça en fait 3 autour de la table. Guy Carlier a trouvé, Christine Bravo a trouvé, Isabelle Motreau aussi. Olivier de Kersauzon, est-ce que pour Yann Moix et Christophe Beaugrand, vous pouvez décrire notre invité? Il fait 1m76, il a le visage bronzé, il a les cheveux blancs. Il est assez drôle, je le connais depuis 65 ans. Il est...
C'est trop sérieux, c'est un personnage léger, agréable en fait. Et oui, et d'ailleurs cette description aide beaucoup notre ami Yann Moix qui enfin a trouvé le nom de notre invité. J'adore en plus. Et Christophe Beaugrand aussi, ça veut dire que ça y est, tout le monde a identifié qui ? Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier, notre invité d'honneur. Jean-Marie Perrier, notre invité d'honneur, l'occasion de la sortie aux éditions Chenda. Magnifique ouvrage que j'ai feuilleté ce matin. Je n'ai pas encore lu les commentaires, parce qu'il y en a parfois sur certaines photos, mais je dois dire que c'est vraiment l'album de photos qu'on a envie de garder chez soi et de re-regarder régulièrement. Je prendrai un peu de temps pour mieux encore admirer ces différentes photos et revivre quelques années magnifiques pendant lesquelles ces groupes anglo-saxons, car c'est uniquement des chanteurs et des groupes ou des musiciens anglo-saxons qu'on voit sur ces photos. Ce sont les premières années de vos photos, Jean-Marie Perrier. Oui, c'est le dernier livre que je fais là-dessus. J'en ai fait 6 quand même, donc ça suffit maintenant. Ça y est, il n'y a, voulais... a plus rien. Vous avez, plus, vous avez non, fait non, tous les stocks. Ça va. Non, mais je voulais vraiment faire une fois... Parce que tout le monde sait que j'ai rencontré tous ces gens des années 60, d'accord. Mais là, c'est formidable de pouvoir montrer les anglo-saxons, c'est-à-dire des gens qu'on connaît peu finalement. Alors je les cite, hein, Bob Dylan, les Beatles, Marianne Faithfull, Stevie Wonder, Ray Charles, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, James Brown. C'est vrai qu'on les connaît peu. Hein. Miles Davis, Count dans Basie, la vie, oui. Count Basie, Dizzy Gillespie, Jimi Hendrix. Non mais c'est extraordinaire de les retrouver, évidemment. Tu les as tous photographié ? Ah oui, tout ce que il a parcouru la France avec les Stones en bagnole, avec Brian Jones derrière. Et tout. Alors, aux États-Unis. Il y a une photo, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais il y a une photo des Stones, particulièrement Mick Jagger, dans le train, à l'époque où il y avait encore ces trains à compartiment et avec ce peu de place dans le couloir et on baissait la vitre pour. Elle est géniale. Mais ce qui est formidable, c'est, c'est de voir comment ça se passait. Ce n'était pas du tout les grands Barnum d'aujourd'hui, avec les mecs en Armani qui causent à leur montre. Là. Non, mais c'est vrai, c'est totalement détendu. C'est extraordinaire de détecter. Que ces mecs-là allaient devenir des grands, et à l'époque, ils ne l'étaient pas tous. Ma chance, c'est surtout de les avoir connus dès le départ. Les Rolling Stones, ils n'avaient même pas sorti l'un disque. Les Beatles, ils venaient de le sortir. Mais ça, c'est grâce à Daniel Filipacchi, qui m'avait fait ce journal, et dans lequel je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais attendez, vous avez aussi photographié des nazes, des mecs qui ne sont jamais devenus connus. Oui, bien sûr. Ça serait marrant de sortir cet album. Voilà, c'est ça, j'imagine, les ratés, ceux qui auraient pu devenir des stars. Tu m'avais raconté une anecdote extraordinaire quand tu étais avec les Stones, quand tu conduisais. Ouais. C'est que Mick Jagger derrière, il n'arrêtait pas de parler de fric et de placement. Ils avaient quoi, 20 ans, 19, 20 ans, effectivement, pendant tout ce voyage la nuit entre Marseille et Paris, il a parlé de pognon et de sa hantise et sa haine des religions. Il m'a été donc forcément extrêmement sympathique. Non, ce sont des magnifiques photos. Vous connaissez Jean-Marie Perrier depuis longtemps, Olivier de Kersauzon ? Ou avant ça, oui. Il vous a photographié ? Non. Je ne fais pas beaucoup de musique. Moi. Justement. J'étais très discret là-dessus. Vous ne faites pas les sportifs, Jean-Marie ? Non, ça, j'en ai fait, si, pour le journal Elle dans les années 90, mais je n'ai jamais pu croiser Kersauzon pour des photos. Par contre, on a déjà C'est dommage parce bu que des coups. Quoi. Il doit évidemment, Olivier, être agréable en séance photo pendant 4 heures dans un studio. Mais non, vous savez très bien que je vais très vite. Oui, de toute c'est façon. Vrai. Alors vous avez. Ça, c'est vrai. C'est incroyable. Je dois dire, c'est le plus rapide des photographes. C'est génial, ça prend pas de temps. Moi, j'adore ça. Il n'y a rien de pire qu'un photographe lent. Mais évidemment. C'est épouvantable. Je déteste être pris en photo. C'est comme le dentiste. Il faut que ça aille vite et que ça fasse pas mal. Oui, mais alors ça donne parfois chez dentiste des mauvais résultats, mais chez vous, ça donne de superbes photos. Celle-ci, par exemple, de Chuck Berry, quand c'est même fabuleux, c'est fabuleux. Est incroyable. Un très bel album. Et alors, la première musique que je vous ai donnée, évidemment, comme indice, c'est la musique d'un film de Jean-Marie Perrier qui s'appelle Jacques et Sébastien. Antoine et Sébastien. Antoine et Sébastien. Avec Jacques Dutronc, j'inverse les prénoms. Ah, c'est votre premier film, ça. Oui, c'était le second. Mais c'était le premier film de Dutronc, surtout. C'était quoi le premier, alors, Jean-Marie ? Ça s'appelait Tumucumac, absolument titre impossible à retenir, avec mon frère Marc Porel et Dany. Oh là là.
et qui n'a pas, qui ne laisse pas un souvenir impérissable. Ah, Marc Porel, elle le connaît parce qu'il ressemblait à son mari, Christine. Mais je sais, parce que Jean-Marie, un jour, t'es venu chez moi. Oui, exact. Quand tu as vu mon ancien mari, tu as... avec Anne-Marie. Oui, je t'ai dit, t'as quoi, t'as baisé avec mon frère. Malheureusement, qui est mort, qui était un très, très, très grand comédien dans, qu'on a vu dans Le Guépard, je crois. Ouais. Non, il a fait plein de films avec Visconti, tout ça. Non, mais il était vachement beau. Hein, oh, qu'est-ce qu'il était beau, il était magnifique. Jean-Marie Perrier pour le premier indice, donc c'était la musique du film Antoine et Sébastien pour le deuxième indice. Miles Davis. Il est en photo aussi. Tiens, je ne l'ai pas trouvé, lui, Miles Davis. Si, si, au début, bien sûr, parce que c'est la, c'était le musicien que je préférais quand j'étais très jeune. Et j'ai eu la chance de le photographier dans les années 50 et de dîner avec lui en 88. Ah, il a été formidable, oui. Mais il était très impressionnant. Mais plus beau et plus en avance que lui, c'est impossible. Et je l'avais rencontré à Los Angeles. On avait dîné un soir avec les sœurs Labeck. Et il était là, il avait comme ça ce visage très sombre avec la petite langue rose. Il était habillé comme une espèce de martien japonisant, toujours très en avance. Et surtout, l'enfoiré, il avait une voix de casseur, tu vois, de vieux boxeur. Hey man! Putain, je suis tombé par terre. La seule fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'être un fan. Non, mais vraiment. Hein. Il y a une photo d'Ella Fitzgerald aussi qui est incroyable parce qu'elle vous montre. Alors, je sais pas où elle a été prise à Cannes, cette photo. Ouais, avec Barclay derrière. Voilà. Et, ah oui, c'est Eddie Barclay, ouais. Je ne l'avais pas reconnu. Ah oui, maintenant je le vois. Et elle montre en plus à votre objectif un dessin de Cocteau. Un album où on voit un dessin de Jean Cocteau. Oui, ouais, mais parce que c'était, je ne la connaissais pas beaucoup, mais j'ai été en tournée avec elle et elle était folle de moi. Elle me voulait absolument. C'était terrifiant pour moi, qui avait 16 ans et qui était vierge comme le canal sous la Manche. Et ah, elle vous voulait pas comme photographe. Elle, non, elle me voulait. Ah, d'accord. Elle voulait vraiment, tu vois. Elle avait quel âge? Bah, je sais pas quel âge elle avait, mais moi je sais que j'en avais 16. Et alors, vous avez rien fait? Bah, Dizzy Gillespie m'a enfermé dans sa loge avec elle, c'est la trouille de ma vie. Et en même temps, je regrette, hein. Aujourd'hui, je regrette. Imagine si j'avais commencé avec Ella Fitzgerald pour peu que je la fasse coller au plafond. Ça vois, sera le contruste un peu, dis donc. Ce sera nos prochaines questions après la pub. Vous vous êtes tapé qui? Voilà. Jean-Marie Perrier, notre invité d'honneur, pour un magnifique album photo, Rencontre, ça s'appelle Rencontre avec qui ça, bah, pas n'importe qui, hein, les Beatles, Dylan, Vince Taylor, Count Basie, les Stones, évidemment, James Brown. On voit quelques Français par moment, parce que par exemple, Françoise Hardy a fréquenté Mick Jagger, donc on les voit ensemble. Non, finalement, non, elle est non, toujours non, là, Françoise. Elle n'a pas fréquenté Mick Jagger, non. Je l'ai fait dîner avec Mick Jagger, ça n'a rien à voir. Ah, voilà. Et Bob Dylan la voulait par contre. Ah oui, fou amoureux d'elle. Complètement, mais tous la voulaient, tous les anglo-saxons la voulaient. Non, non, mais simplement, il y a dans ce livre, comme d'habitude. Mais Mick Jagger et vous l'avez eu. Ah, moi, oui. J'en étais fou, moi. Eh ben oui. Bah, absolument. Ah, oui. Non, mais vous avez eu une belle collection quand même. Oh, mais non, mais il n'y a pas que les photos que vous pouvez exposer. Hein. Sa collection n'est pas terminée, Laurent. Ah non, je sais. Non, mais je me débrouille elle toujours. Est en cours. Dans tous les films, dans tous les livres, je me débrouille toujours pour qui est François. Françoise Hardy et Jacques Dutronc, puisque c'est la famille quand même. Je les avais hein, comme indice, évidemment, mais je n'ai pas eu le temps de diffuser la chanson de Françoise Hardy et Jacques Dutronc qu'ils avaient reprise ensemble. Une chanson de Jean Noah et Mireille. Ah oui, non, mais là, c'était trop direct. De vous écrire 14 pages. Ça aurait été trop facile. Ouais, ouais, trop facile. Tous les matins ou davantage. Ça, il a eu de corps bizarre. Quand même, l'indice de Brassens, c'était facile. Salut les copains. Ah, oui, salut. Ah, bien sûr. Les copains d'abord, ça faisait évidemment salut les copains, mais en plus, Jean-Marie Perrier a réalisé un docu sur Brassens. Personne ne le sait, personne n'est au courant. Il faut dire qu'il m'avait donné que 2 jours pour faire 52 minutes dans la campagne. Alors, je vais te dire, c'était un peu ça compliqué. Ça s'appelait Brassens, pourquoi t'as les cheveux blancs? Oui, mais j'avais trouvé un truc formidable. C'est que comme je savais qu'il détestait les interviews, ce que je comprends, donc j'avais trouvé un stratagème assez ignoble. D'ailleurs, j'avais fait faire le film par un petit garçon de 8 ans qui venait et qui lui posait les questions. Donc, je glissais les questions au gosse et comme lui était très bien élevé, il répondait. C'était ignoble, hein, mais c'était efficace. Il y avait un indice qui était tout simplement la pub pour Canada Dry, parce que vous avez réalisé des pubs. 600. 600 oui. 600 pubs. Comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est pour ça que ça désaltère. Canada Dry.
Tu t'es fait des couilles en or. C'est exact, j'ai tout claqué allègrement. Ah ça y est, vous avez plus rien. Ah ben non, évidemment, c'est pas fait pour garder le pognon, il est fou lui. Ouais. Vous dépensez un beaucoup. Ah je claque, j'ai toujours dépensé plus que ce que je gagne, c'est une règle. Qu'est-ce que vous achetez? De tout, surtout, d'abord j'adore acheter. Par exemple, si je passe devant un magasin et que je vois en vitrine un objet que j'ai déjà, mais parce qu'il est en vitrine, j'en ai envie à nouveau. Non, je suis un malade. J'adore. Ah oui, alors là, évidemment. Je l'adore. Je savais pas que vous aviez un fils qui faisait de la radio. J'ai découvert ça sur Wikipédia. Arthur, il est formidable. Mais pas le Arthur. Non, l'Arthur normal. Pour quand même que nos auditeurs comprennent parfois les questions que mes camarades ont posées pour vérifier que c'était bien vous, Christine vous a demandé si vous aviez un beau-frère célèbre. Alors il s'agit évidemment de Michel Sardou. Bien sûr, hein. Puisque votre sœur c'est Anne-Marie Perrier. Anne-Marie, absolument. Qui est géniale, qui a été ma rédactrice en chef à elle pendant 10 ans, et j'ai vraiment adoré cette nanette. Et qui a quitté cette fin formidable situation pour être la geisha de Michel Sardou. C'est fou, hein. Ah bah oui, elle est devenue une femme des années 2010. Là, c'est comme fou, dans la elle n'a jamais regretté. Non, pas du tout, elle est très heureuse, il est très très gentil avec elle. Est-ce qu'avant que votre sœur choisisse Michel Sardou pour sa seconde ou sa nouvelle vie, vous aviez beaucoup photographié Sardou? Non, très peu. Ça devait être marrant de rencontrer oui. après. Oui, j'aime autant d'ailleurs. Non, parce que c'était pas mon truc à l'époque. Moi, c'était justement les Anglo-Saxons, les Rolling Stones, les mecs qui secouent l'arbre. Quand même, salut les copains. Sardou, il est pas sur. Si. J'ai fait un voyage en Amérique avec lui. Voilà. Ah oui. J'ai fait une séance de photos à l'époque. Non, mais moi, c'était ces gens-là que j'aimais bien. Il n'était pas assez rock pour vous, de toute façon, Sardou. Oui, non, mais écoute, j'avais déjà mon cheptel, hein, Johnny, ouais, Françoise Dutronc, les Beatles et Rolling Stones, ça va, attends, j'ai que deux bras, les mecs. Celle qui est un peu moins rock, parce que c'est vrai que c'est un peu plus de la variété et qu'on la considère presque comme une Française, même si elle a toujours ce petit accent britannique, et qui est dans l'album, c'est Petula Clark. Oui, mais elle était très, très, très célèbre, hein, Petula Clark. Dans le monde entier. Et tout le monde la croyait française, en plus. Meilleure amie de Michael Jackson pendant un temps aussi, hein, Personne n'est parfait. Et alors, c'est vrai que Jean-Marie Perrier est un éternel séducteur. Aujourd'hui, alors... Ah non, c'est fini, j'ai raccroché les gants depuis 10 ans. Oh non. Ça, j'adore, parce que quand je dis ça, à chaque fois, on peut aller... Je te jure que c'est vrai. Mais pourquoi j'ai eu toutes les chances? Ça va, j'ai vécu avec des femmes magnifiques, c'est mes meilleures amies. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire aujourd'hui, à mon âge, aller dire à une gonzesse que je connais pas, et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tout c'est grotesque. La dernière, c'était qui alors? Julie? Ah voilà! Mais oui, Julie. Ah ouais. Julie Andrieux, une merveille. Non, pas Julie de Repin. Non, c'était la première, elle. Elle va être contente, Julie. Non, Julie Andrieux, c'est quand même. C'est pas vrai. C'est quand même pas mal, Julie Andrieux. Hein. Ah c'est ouais, magnifique, elle est formidable. Je savais pas. Ah ouais, c'est celle que je préfère de toutes, d'ailleurs, avec Françoise Hardy, c'est les femmes qui m'ont le plus. Et après, vous êtes arrêté. La première et la dernière. Alors, vous êtes tout seul. Et bien sûr, c'est fini, mais écoutez, à partir d'un certain âge, le sexe, c'est grotesque. L'autre jour, j'ai vu, dans Paris, je me baladais il y a quelque temps, tu vois, un kiosque avec une femme dont je tairai le nom. 74 ans, en couverture, disait 74 ans, et j'adore faire l'amour. Et tout Jeanne ça. Fonda, j'ai failli vomir debout. Ça ne se fait pas. Cachez-vous. On ne parle pas de ces trucs-là. L'amour, c'est fait pour les jeunes. Quand tu redoutes, ça Mais alors, une fois que tu renonces à ça, tu dois te sentir en paix avec toi, mais tu dois te sentir calme, tu dois te sentir bien en fait. T'es peinard, t'as même pas idée. Tu peux pas savoir. Quand tu fais la colonne de gauche, colonne de droite, c'est-à-dire les ennuis que ça te représente, ce truc-là, la danse du porc là. Les ennuis, tu vois. Et quelques petits moments de bonheur volé, mais y a pas photo, mon pote. Il est génial, on l'adore, Jean-Marie Perrier. Vous comprenez qu'on a envie de passer des moments avec lui. Ça s'appelle Rencontre, les superbes photographies qu'il publie aux éditions Chêne. Merci, Jean-Marie Perrier. Les best-of ce week-end à 16h sur Europe 1, samedi et dimanche. On se retrouve lundi à 15h30 et je vous laisse en compagnie de Nicolas Poincaré. Bon week-end sur Europe 1.